With Sida Tiswalin, Azul once of Yiswan, a can certain mirror of the Gusin Sift and its Melel de Yidwood, the Thuit Girawin Armasin or the Club de la Presse. An Arden de la Witha Wallis Medith Bussa, Club de Ragmarli, a well Rafli Halar and at Mazir de Mazra. As Bussa, then he saw the Mazir, and he was a Lissa Bussagir among the Thmurthin Zayel, the Maroc, Narahad de la Libye, the La Tunisie, the Firtugafer Sumatha, then he ran a thick stuxir of the Krim. ذم كي دي فدا وعزل كذا الساكيت سو ثلاث تمازيغ ذم كي تبدا تسالتي دو لارابيزاسيون ذم كي تبوظ تمازيغ امي وغالي مازيغ تاكوين دي وكنا نضحن غا ثو ثلاث سن ذي ذل سن سن دا صوب نسا ذم كي ريلو وفريد غاروزكا تيكا هاد التمثال انا عطا نسقى شلاو كذي الفقاوني نوغ ثانو ميث كي تغم ثانو ميث ملام دي سن يا لاسن سفت الى مقران قاسم ازوف لايك ازولا كمان ازولا كذا دي سن أرزق له مرتزول أزول كمال أزول كوي ودي سلام مو محبك يرزول أزول كمال أزول يودا في هذا تولي ألي تبوش أزوف ليك أزول كمال أزول يودا تولي ألي أكونا أدنى فيديو أول مس مقارنة قسم الأحسن فيك تشيني ثمازيغ ذامك إيه يقف ذام وعزلين سلام كي تسمك إيه يقف ذام ونتسوغال ذي الطرف أسكو سي لا بوليتيك دي لارابيزاسيون إيدي فذان سكزيه سفن ديما زغني ما سلوغان ذي الطرف نغ تمسات الديانة نغ لد دي فاكتوري ستوركي كي جا ثم مازيغ تتسوازل ايه دون ما دنا ضرب ثم مازيغ ثورا لنسين يحريشن إلا هو حريش قانان توثليث إلا هو حريش قانان ليدانتيتي خاطر زمرا دنيني الميدا سميد الميدا القرن 19 زمرا دنيني le problème qui s'est posé, c'est un problème d'identité, plutôt de la langue. On a les Berbères ont perdu leur langue à travers, y compris les dynasties berbères qui ont dominé le Maghreb jusqu'à l'arrivée des Turcs. Ont plus ou moins perdu leur langue. Khatar, les dynasties berbères ont s'exprimer plutôt en arabe. Mais sur le plan identitaire, en revanche, ils sont restés berbères. Et d'ailleurs, il y a eu, à travers du 7e siècle jusqu'au 16e siècle, les dynasties berbères n'ont jamais accepté que les Arabes prennent le pouvoir dans un endroit dans une partie de l'Afrique du Nord. Je vais vous faire un exemple, un petit exemple de rien du tout. D'abord, avant les Turcs, il y avait des dynasties berbères, les Hafsides à l'est, les Mérinides au centre, il y avait les Ouattassides à l'ouest. Ce sont tous des berbères. Et un petit exemple, les Hafsides, à un moment donné, le roi des Hafsid, le Gilan de Gayet, et Khatar de l'Oktenir, Araven, Sredamenten de l'Askar. Araven, les Almohad, rentent au sud du Maroc, ils les ont parqués au sud du Maroc, et les rois berbères, quand ils se combattaient, ils se servaient des Arabes comme une réserve de soldats mercenaires. دونك كل يوم يتساوي ثني دي تخلي سيثين باش كذي نغ لا ديناستي بربر نظم يبس ونت ونك حكم لحفسيد يبس يروح ونز مرار يخلص العسكر نير ابارافن يروح في كيس نخال جوهين في قيث اسمي سني في كان نخال يروح دغورس ونك حكم يجلس نيجس الخليف لازال الموحد يجز ما سقرو إن سارة بقول لك قرر يصير عشان دي ثمرة جيم نفجيت أخطر ثمرة إمازيغ. دونك يعني دنيني بليك سور بلان ايدونتيتير طفن ليدونتيتي نسن بربر ان ميد سميت بضن لي تورك ومن بعد ليدونتيتي لا لا لونغ تروح La langue, par contre, mais la langue, la langue, la langue, sur le plan administratif, quelle est trop, mais Google, pour aller très vite, pour aller très vite, ainsi de quel problème identitaire, il y a que le problème de la langue. Et qu'est-ce que c'est le nationalisme arabe,
hein, à partir du 19e siècle, des Kerens du Moyen-Orient. Mehmet Ali. Mehmet Ali, c'est un Albanais qui a pris le pouvoir en Égypte au nom de l'Empire Ottoman. Ombad, Asmik, il va des succès qui les Ottomans. Et Néas, a des succès qui c'est le Khalif, les Ottomans, soit arabes. Donc, il remène les Arabes, alors que c'est un Albanais, il remène les Arabes, ou il lit les coulisses des Arabes, etc. Donc, c'est une des cœurs de Nahda, le renouveau arabe, la renaissance arabe. Et des natifs, des intellectuels, Umbad, Akam Adnene, Boutros Boustani, pour la plupart qui étaient chrétiens, Boutros Boustani, par exemple, qui était un grand intellectuel qui luttait pour la renaissance de ce qu'il appelle la nation arabe. Dernier, d'un autre côté, il y a les réformateurs musulmans. Les réformateurs musulmans avec Mohamed Abdoum, avec Jamal Din Afghani, l'islam sous le majdid. Et tout ça, c'est des réformateurs. 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 Et tout ça, c'est ils ont évolué vers le panarabisme, ils ont évolué vers le panislamisme. Il y a des intellectuels, Rachid Redan, Shaki Barcelan, Michel Aflaq, etc. Donc, oui, les nationalistes arabes, les réformateurs musulmans qui sont devenus plus tard des islamistes. Ils ont approché le mouvement indépendantiste des pays nord-africains. Ils ont approché le néo-destour, ils ont approché le FLN, enfin le PPA-MTLD, ils ont approché l'Istiqlal au Maroc, etc. Et c'est là qu'ils ont invité plusieurs fois dans des congrès, le congrès de 1931, congrès 1935, congrès 1938, pour... Là où se sont décidées des politiques d'arabisation de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire Tunisie, Maroc, Algérie. Et donc après, ce mouvement-là a été continué par Jamal Abdel Nasser qui voulait en être le raïs de toute cette nation arabe, arabo-musulmane, qui part donc de l'Afrique du Nord jusqu'à la péninsule arabique. Mais est-ce que vous avez l'ouïguien, les frères musulmans, ils sont qualifiés dans 1926, le panarabisme, donc c'est 1916, est-ce que vous avez l'ouïguien, la question de l'identité, la question de la langue tamazight, et là, où tu me suis là, je suis allé dynastie berbère, où je suis allé, où je suis allé, l'administration, mais je suis allé. D'accord, alors, tu as une information. Je suis allé dans l'Eromien, en 1830. Je suis allé dans l'Eromien, où je suis allé dans l'Eromien. À خاطر روحن نهني نابليون لا لا ماشي نابليون طروا لا نابليون قبل ديو لامبيرور قبل ديو لامبيرور يخدم اون اكسبيديسيون ان ايجيبت اون 1798 دونك اتاشيك دانييل سيموس ناون يا روميان دانييدس سينا اتاشي دي بين لوهي باللي ولا نكوي ضارب فهي قسمت بضنا 1837 سبع سنين ومن بعد ميديك شمال خلقند لي بيرو عرب ومن بعد لي بيرو عربيين ils ont été pris en charge parce qu'on appelle le mouvement saint-simonien. Le saint-simonisme, c'est ceux qui veulent escamoter un peu les antagonismes et les différences au nom d'une certaine fraternité, etc. Mais la France. Mais sous domination coloniale. Dixon, il y a une dame Karen Dixon, ou Mekaran, Thomas Urbain, Guéranimani, Yoral Dinslem. Mais Thomas Urbain, il a écrit un livre déjà, mais il a écrit en France en 1830. C'est qui le rapport? Il a écrit en Égypte d'abord. En Égypte en 1798. L'expédition Napoléon a été en Égypte en 1830.
الشعب النيغلندينا والجلد النيغلندينا ومن بعد ني غرسن عربن انسلمن زدغن سي لا بينانسولا ارابيك الا ما تمر في النار دونك هنا اللي افيك نابليون 3 اللي المدرسات يجي صغارا في سلمت من الشرق تعرفت من الشرق ولكن الى قد يون يون اول اون انفورماسيون تريز امبورطانت en 1860 le recensement 1860 وفند 30 مليون امزداق دي مورت الجزائر 30 مليون دي امزداق ولكن 500 الف كان اكس سنه ما هضر انت عرفت ويا ديك استمازيغ تهضر تسمى مثلا ان تيار يهضر شويه عرفت ويا ديك يا بيت 2000 يا ان سيزيام ان تيار Ah là, tu m'excuses. Non, le chiffre est donné par dans les écrits de Ismaïl Urbain et d'autres. 2 700 000 Algériens. Hadran Tamazight. Hadran Tamazight. 500 000 Hadran Tamazight Taraf. Ce qui fait une proportion d'un sixième. Voilà. Non, je vais dire, il y a 3 millions Hadran Tamazight, il y a 500 000 qui Hadran Tamazight Taraf. Il y avait 3 millions d'habitants. Il y avait 3 millions d'habitants. Les 3 millions Hadran Tamazight. Il y avait 500 000 dans le Tamazight Taraf. Voilà. Parce que les 3 000 dans le Tamazight. D'accord. Voilà. Donc, Anouali, Belik, Napoléon Taroyok, les Saint-Simoniens Yagir, avec Ismaïl Urbain, ils ont arabisé. Ils ont commencé à arabiser, ils ont commencé à islamiser. C'est l'islam à Guinchark, c'est l'arabe à Guinchark. Donc, c'est la France qui a commencé la politique de l'arabisation. Voilà, la politique de l'arabisation a été commencée par la France. La Troisième République en 1880, la politique née et aucun taqav le qvayel et dit qu'il y a un foot de mille ou soleil. Et aucun taqav a été le bel de l'Ensen, le qvayel de Kerend a été le Sensen et de Kerend. L'aqliya yakib ou rahmanara wa nahkem rahmanara a nahkem overali donc il a qasl ksen idris sen il a qasl ksen 32 sen fi yagin en 1882 a partir de 1882 on bad ta'rafen ismaoun tmadan imoukan tmourt el qbayel w ta'rafen ismaounna skchmna dban abou et cetera alors que nkouni ma chakki ismaoun nazik Alors, mon mot à la salle, à Chouar, France, Sredesh, Fessertité guide de l'arabisation, et Médicchim, Rathmouth, Nelzaïa, Rathmez, Rassoumet, Abad, nous devons dire tout ça. France, le vrai, il a fait des vagues, Berlin, Rathmouth, Rathmouth, Iguan, Lismis, Nelzaïa, c'est de l'Hakis, ou Kadikchim, Ardina. Donc, des choses, Khadim. Tu begins, Berlin, Mizda, Nigelandina, Mizda, Dirohan, c'est cher. دونك يمزدا يروح عند شي الشرق وريت ني يروح عند سير نور سوق ملو سوق بلا ديك الساعه ان بروجي خلقنا ان امبيرور دام قران سي بور سي بغانا تسدونا انا سا سي البروجي مي لا فيلوزوفي سي تخدم سا فو دير كي وين ظاره بنت تروح من شي الشرق تكشم دارت مرتاكين كل دي روميان نروح عند سير نور نكشم دارت مرتاكين دونك كيف كيفنا نكشم دي مرارت مرتاكين مرتاكين وتسالي مولان تاكي لا فيلوزوفي لا بوليتيك دارابيزاسيون ان فرنسا Ce qui veut dire que la France est aussi légitime que le conquérant arabe. Et même mieux dans la philosophie coloniale, c'est que l'Afrique du Nord, c'est un passé chrétien. L'Afrique du Nord, c'est un passé chrétien. Donc les deux sont des Zoran, puisque les Zoran deviennent français, des Zoran chrétiens. Donc c'est ça la philosophie coloniale. C'est une forme de légitimation du colonialisme. Mbad, sur cette base-là, Où Smith, Napoléon III, dans ses rêves de grandeur, etc., pour s'allier à un empire qui serait basé sur Fechteguin, il a créé un royaume arabe. Il va faire un royaume arabe qui va intégrer toutes les possessions françaises au sud de la Méditerranée. Avec l'émir Abdelkader comme sultan. C'est assez complexe parce que l'émir Abdelkader c'est une histoire mais c'est une séparation ils ont proposé l'émir Abdelkader pour prendre le sultanat de cette nation arabo-musulmane non avant que avant de s'acheter l'affaire l'émir Abdelkader il est d'abord VVS
فاسن اللي مير عبد القادر نسيك خمن جوستومون افيك لي تورك الى يون نوفل الى يون نوفل نو الى يون نوفل سك نكولي تامورلينا سامزولينا تامورلين مي هذه قيم ام محسن هي خاطر وضعت سونيك سي فري كو لا فرونس تخدم انا تسافي تاكينا لا بوليتيك لا رابيزاسيون مي اسكسي وقفد الحق لفرنسا انو غال ارد في شي طوح انو غال لي ديناستي بربر سي ديناستي بربر ني ذا لي دونتيتي بربر فلا mais l'utilisation de la langue ou les hadiths, c'est-à-dire l'administration, est-ce que c'est la religion qui a l'influence? Rien que. Parce que c'est le sassis, c'est le banqdim, les halas tagi. Doulan ou tskaradis, alam tsoukhdam, tsoukhdam, mais ardoulan. ولا شيت دي الدوله دي الدوله ولا شيت دا شو يتكنفو يتوتلايت دا شو زمرنا دي السفا اكدوز الدوله كلشي فنو في الدوله الدوله اي تاك جديد يفيك فنو وين شتاكي ما تبقى الوقت مسينيسا الوقت نقايا الوقت نسيفا تمسالت كيف كيف الكوينيا انا انت سالتي الكوينيا انا لادمينستراسيون تم بزيط وتخدم انا تراتينيت نطرومانيتيس يستخدم من مي لا اما استخدمت تمازيغ شحال شحال القرونيه كي 31 35 القرونيه كي تاكيد لي حالات تمازيغ وتولي سي سي كوم ميم كونتراديكسيون سكي دير كو سي تو لونغ كي نا جامي تروفي كي نا جامي تروفي بلاص دون لي اسبي انستيتيسيونيل دونك افيك لي رومان سا ايت سي تي سي دير جو بونس كو ليستوار دو فان دو لافريك دو نور ديبي لونتيكيتي les Maziranes ont été toujours été dominés par les forces étrangères, extérieures, avant ça. C'est ça. Si, avant, il y a les Byzantins, les enfin, après, ils ont intégré, ils n'ont pas toujours été dominés. Ils étaient dominés parce que, enfin, ils étaient dominés. Sous Massinissa, ils n'étaient pas dominés, et pourtant, ce serait Mal Tamazir. Donc, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'ils intégraient, donc on a une profondeur méditerranéenne, c'est aussi une partie de notre histoire. Rome, il a occupé l'Afrique du Nord quand même, il a occupé pas mal de villes. Non, Smith Rome, il a occupé quand même, ils ont occupé quand même l'Afrique du Nord. Donc il y a une domination, les Romains. Mais il n'y a pas eu que la domination, c'est ça le problème, on ne peut pas simplifier, il n'y a pas eu que la domination. Il y a eu des moments de domination, par exemple lorsqu'ils ont cassé le royaume de Massinissa et qu'ils ont tué, qu'ils ont emprisonné et tué Jugurtha, là on était dans une domination, mais avec Massinissa on n'était pas dans une domination. Massinissa, il avait son royaume, il a joué entre les puissances iguliennes à l'époque, entre Carthage et Rome, il a tiré son épingle du jeu, il a une adresse. Mais, il s'est fait la Tamazight comme langue d'administration. Et c'est quand même, c'est un paradoxe très ancien. Ainsi dit, quand il était dans le il a fait des mots. Mais Tamazight, il a saisi. Il a fait des kif Il y a une chose, à mon avis, Tamazight, il est victime, en premier lieu, des Maziranes. À mon avis. À mon avis, c'est. Parce qu'il ne faut pas dire que vous voyez toujours notre problème. Non, mais écoutez, qu'est-ce qu'on a fait pour cette langue? Les Jdouzina, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette langue? C'est derrière les États. C'est ça, mais c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, on accuse toujours l'autre. L'autre, il vient pour te dominer. Non, l'autre, il vient pour te dominer et t'imposer sa culture, sa langue et tout ça, sa religion. Mais qu'est-ce que tu as fait chez lui pour faire face? C'est ça le fond du problème. On ne peut pas. Oui, il y a des facteurs historiques, mais on peut. Oui, il y a des facteurs historiques, effectivement. Mais on ne peut pas dire toujours c'est la faute de l'autre. On est juste là. Voilà, on doit savoir, 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 on doit les chrétiens, on doit savoir, on doit savoir. Et tout ça, on a toujours été, à travers notre histoire, on a toujours été dominés.
et on a toujours été نستخدم توجور سوسلاين كويير نتبع توجور ديال نفس كويير سا الفون دي بروبليم اذا كي انا فيك سي اذا قطبق السوث من نظام ديك احس الاكن يبغي الحال قوانين الشمال اما تشي دي ولون يفغنا دي الدوايه الا لونغ لا لونغ قيم 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 اون طونك الافاس بحال يقولوا الساكي ولا حديثان ما تفض بوكو دي سيفيليزاسيون دي سبان مي قيم اند قيم قيم دون دي ليو باغ اكزومبل كدوره في قيم هذه الصحراء وسقيم راه دون لي زون دون دي ليو باغ تتمزج في الشكل الصفر سي ري سون يا غيني باغي تغلطت و 1843 13 كان ابل ديكشن فرنسا على فلا الجزائر كيف كيك مقارن الشيفر لي ستاتيستيك خمنا ب 3 مليون دالجيريان على ليبوك 3 مليون تمسلاين تمازيغ تمازيغ مثل لونغ و تمازيغ اون لونغ و كنتيحو الى قاس ماشي قاس تمسلا ديال قاس تكتب واستخدم ديال الادمنستراسيون و تنا فيريس ديال المشكل سال الفون دي بروبليم اون لونغ و لي بوسا وي استمر لي جيمير الدفص ديال اللغه جيمرنا بار اكزومبل الدمصاره في الدمصاره ومثل الدمصاره اللغه النظام خدام انت تحفظ بار اكزومبل اتست كتابين اصغر بار اكزومبل اللغه النظام كتحفظ خدمتي 2500 1600 1700 1400 سا دير يون برودكسيون انتيليكتوال الا نودي خدمن يديك تفن ايديورانس لو اساس لي لونغ النظام دوبي لونتون كون بالك تحفظ الصين ناس تيتم دني غورنس مازيغ دوبي ليترنيتي يا ان تيب كتب دو نو ميم اوسي دا انا سايل فو ديال لا رياليتي هك دير لا لونغ فرونسيز ها لا انجليز ايتترا ا بارتير دو 15 16 سيكل ايفيدنت اتفلالينت الوغ نوكلي اذا شي تقدر ني 15 16 سيكل بضند الترك فوالا بضند الترك اي دونك سي ا بارتير دو لا تمازيغ وزميرار نساوي لاكولات معنا تدارني الى قد نني باللي ميتغلي الاسباني 1492 ميتغلي الاسباني نجمان غورنا ودي نجمان غورنا نجمان اطاس بوداين يكدين سلمان مسيحيين سوفانتليت سي الاسبان وساند غورنا طفن تمدينين طفن وهران طفن الجزائر طفن بكايت ياكل قسنطينه اذن وداين وميديوسان غرام تعرفت هنا دي بولا واد دارنا خاطر شغل بنغ دلا واد دارنا الشرق خاطر وزاين هنا خدم الكوميرس تروح زوروند لجيروزاليم دونك السنه هناك لها ثمنات الموين اوريا بنت سينا الاوايد بنت نتد ورتمرت لنا دونك زمرا يديني ياك الحاجه دعنا تصل وتنسينا راه مي وزاين دي مرت الجزائر دي قسنطينه لا وقيلك صغار القران اي نسلم صدر لن طولب ينسل من يقرأ القرآن غرو ذاين ذو ذاين نسل صحفنا غير نتعرف هسن صحفنا القرآن دونك هنا دغنا بند مواك أمور نسل ذي العربيزاسيون يعني ذي الديفلوبمون ذي اللونغ عرب إذ لا كولتور أوريونتال ذي أمور ثنا فوالا من واحد كيما نقول لك ايه فغا كان ديرها باسكو دايرين سوالين كنا مزولين الناس واش شو تتن سوالين انا ساكيون زهره تتنا ماشي ستتنا نتوالى مزولين نتوالى ستت بويا ويا انا وين لوداك لوداك الى الى دوميني لوداك الى يستعمر سي بوبل تو تون دي مين دوميني سي كشوف ديال توت على C'est ce que vous avez une fois qu'on a identifié une donnée, madame Zeman, il faut faire mais quand même, est-ce que vous avez un mot de la même chose? Non, RSA, comme si nous par exemple le Zaire de Stakhal, le Maroc, ça fait un mec qui est 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 un mec Donc même si on a un mec qui est un mec qui est un mec qui est un mec qui est un mec C'est quand même la chose qui est importante. Un mec qui est un mec qui est l'identité. اتاس دي تي دي سولوشن استمغلي لي مينوريتي هذا ما كاينين سي دي مينوريتي نا لان كي راني نقرنا كي سي ان بروبليم دو بوبل دو بوبل برومير تو اسكو سي دي فيزيون اذا الى قد نكون اذا نقول ملي ممكن نفهم تمثالنا وشوكارا بار اكزومبل بوركو باسكو سا ن كوريسبون با رواي الناش سا ن كوريسبون با رواي الناش سي من سي تولد بلي جوسكا ان سيرتان بوين
تمثلت التوثلاث انا تمثلت ليدونتيتي وثلا داغفل وثلا داغفل ثلا ثلا داغفل من مانيير انديريكت باسكو من بوزغلي ولا في لا ديناستي زالمهاد ابن تومرت ابن تومرت شو في الصوضن جوستومون القرى اللي راهي دارت مزيغ alors que ثلا تعرف الى القرى اللي تو من تاع القرى اللي راهي دارت مزيغ سي اون افيرماسيون justement donc il y a il y a la langue il y a l'identité qui est celle-ci d'Arwana خاص ولا مثلا la religion il y a tout mais c'est celle-ci d'Arwana non ibn Tumart parce que c'était un fondamentaliste donc c'est l'inverse il a essayé d'utiliser Tamazight pour faire entrer les Mazighans encore plus les Diana c'est une démarche mais voilà non اسمحي خاطر c'est parce que tout simplement Agdou a hérité de Mazigh voilà mais c'est la finalité c'était celle-là parce que c'est un fondamentaliste Ibn Tumart hein c'est pas la promotion de Mazigh qui l'intéresse on le veille pas il y a le Coran de Mazigh oui d'accord d'accord donc tu vois c'est un problème est-ce qu'on s'intéresse juste au fait de Mazigh non on s'intéresse à la finalité qui est faite le problème je crois que dernier ماشي داغبل ثلاثة وثلاثة غفل وقبل بسكم كل يوم يتعايشين هذه سباسيلس وكل يوم يتعايشين دي قلة الغاشي يتعايشين هذه قدرار نعند ولاش ونكسا أدابو ونكسا الحكومة قالي فاسن نسل والثلاثة غفل يسان اللي نستخدم من توتلي تنسل ما ساون الحاجة تخدم نتني دولة يكتفن الرأي استخدم من توتلي تبوني حكم دونك إزافي et ça leur posait pas de ça leur posait pas de problème le hukm ou le tahouss ra elle tahkar fi lasem hadi si fi lasem ni tni il se limitait juste de ces contacts là donc tu vas trouver par exemple le qbayl ils avaient leur propre sociologie leur propre organisation s'khdam ta qbaylit et ta fad imazighan le gharb autour de lmsan etc kif kif Ishaouin, kif, Etargein, kif, etc. Donc ça ne posait pas de problème. À partir de quel moment ça a commencé à poser problème? À partir du moment où il a commencé à y avoir une intégration nationale. Ça s'est fait par la France. C'est la France qui a commencé à imposer un État qui allait gouverner tout le monde. Dina, Français, Tchtar, la Taraft, elle a fait les bureaux arabes, où il a fait des émettes, je vais tu vois c'est un chabit c'est un romain alors donc va expliquer c'est à chaque fois les ennemis y a des ennemis mazigh qu'arnak blik mazigh c'est la création de la France blik de justement nous venir qu'arn blik en 1926 il y avait un général non mais c'est vrai il y a eu des qu'arnak qui sont là voilà mais parce que les ennemis t'as dit non ouais و سان شرا الحن سلاويد نسل دونك اياكي اثن قبل اثن انج امازيغن امزيك هذا الحن سلاويد نسل شرا نسل اسني كرند لي بان عربيستاكي كرند لي بان اسلاميستاكي رشيد رضا شكيب بارسلان اتسترا نجيب نجيب النصرين اتسترا وكذا كي كرند سوفون الدعايه ثمورايا كي من الشرق يوك ثمورا النار باللي اثان ايروميون فغان اتفرقا اتزايريا ماروكي فغانا فرقني ماروكي ماروكي ماروكيين فغانا فرقني ماروكيين العمال الاسلام اخاطر عرافن الى قد نيني دارني دي مورت المروك لا نوا عرافن دي مورت الجزائر ولاش دي مورت تونس ولاش دي مورت ليبيا ولاش ولكن دي مورت المروك لا سيزيكو عرافن خاطر نهاية جزا الموحد لي زون باركي دينا هذه السود دو ماروك ومن بعد تفن عرافن تفن الحكم تفن الحكم سلارش ومقارن لي ساديان لي زيدريسيد سيني دي كان سلطانة ديال المروك يعني حاشا وني قلنا الحكم عرب
وقبل الدور السلطان المغرب في القرن كاين لافيليسيون محمد دونك خدمنا اليوث الدعايه اننا سنفوالا هنا قبل هنايا كي تسمى يبغى دي فرق العمه موازفة غرسيت دي خاطر كنا قدامك نروحوا ولاكي تروح ذا المروك امكت الحثات دارت امكت نحط لاوي كيف 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 سي لا سيباراسيون دي لي فونتري لي فرونتيير سي لو مانك دو كونتاكت كي جنب لي كونزراشي كذا رونا مي لي سونسيال سي بور دير باش كان افونسي دي مو كي باول في المروك الشغل 1919 كوميم عبد الكريم الخطابي يخلق دي ريبوبليك لا ريبوبليك دو ريف اي لا ريبوبليك دو ريف اي توليزي تمازيغ ديال ادمينستراسيون ميم سي خدمت تحت الاسبانيول خدمت تحت طار مي تمازيغ حتى لا Mais est-ce que ça n'a pas duré? C'est une expérience. Deux ans. C'est une expérience qui n'a pas duré, mais ça revient à l'essentiel. Mais il n'a pas duré parce qu'il y a des raisons. Mais c'est quelque chose qui revient à l'essentiel. Ça veut dire que tout le monde, tout le monde, tu l'as cassé d'où là. Mais il a tout le monde, c'est d'où là. À partir de ce moment-là, تساوي لي مويا امكيات النرنين امكيات زمر الناس مرا لي دومين لي دومين دو لا في الكا كو بلي تمازات انا سيغي و سال الدوله سي لي انت جديد ما دينا بلي هذا الكلم يستخدم تمازات سي اون بون شوز هكا كي سي اون بون شوز مي الدوله انا هذا الكلم والذمانه مسفهم من فلاس اما السلطان المغربي اما الاسبانيول اما فرنسا مسفهم من فلاس وكترزن زين يد وقف لي ميسيون لا نهضر ديون من داكل هناك هناك عمك المسفهم من عمك المسفهم الترك ياك فرنسا و كذا رزنا لمير عبد القادر بيسك على ليبوك لمير عبد القادر يتقدم مانيس داز النات دونك ذا مازيغ اي و كنا ترزن لبي حسين يقول لنا كونداني بس نعبد القادر محيدين كونداني امور اي با مسفهم من فرنسا يكود فرنسا يكود الترك البي نوهران يوكاد النغن كونتر لمير عبد القادر دونك عندنا باللي اللي استمر دائما يتمسفهم يتروف توجور ان تيران دونتونت كونتر لي زوتوكتون بوركوا باسكو سكي رومي اون كوز فوندامونتالمون لو كولونياليزم سي لا بيرينيتي سور التريتوار سي le fait d'être lié à cette terre, d'être issu de cette terre, etc. Mais est-ce que la question berbère a été soulevée par exemple pendant des révolutions, pendant la révolution? Pourquoi la question tamazight n'a pas été soulevée ni le congrès de la Somme pendant la révolution? Est-ce que le Maroc, la Tunisie, a été soulevée à l'air? Non, mais pendant la révolution algérienne, il y a eu avant la révolution, il y a eu la crise de 49 quand même. Il y a eu Madame Sef, 48. La crise du 49, ça sert. 48, le rapport est comme la l'ONU. Donc, c'est à partir de là. Maintenant, tu as l'élite du mouvement national algérien. Bon, on a déjà fait l'Est. Tu as l'élite du mouvement national algérien. Ça a été autour des communistes. Le problème, c'est que le communiste, tout le temps, il y a le maouna, il y a le libéré, il y a le libéré, il y a le libéré, c'est les zigzags. C'est quoi ils sont pour, c'est quoi ils sont contre, c'est toute une histoire. M'sali, il a trouvé, il y a le libéré, les communistes à part du moment. Parce qu'on peut tout dire, M'sali, mais la question de l'indépendance, il était toujours sur la même lancée, c'est l'indépendance. À partir de 1930, il n'avait plus d'alliés, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rester avec les communistes, alors que c'est eux qui l'ont formé, c'est eux qui l'ont recruté, c'est eux qui l'ont lancé. Ouzmane Yaqub Yeltsin, il a trouvé des alliés en Orient. Pourquoi en Orient? Parce qu'il y avait des États qui étaient indépendants,
l'Irak, la Syrie, l'Égypte. Chakib Arslan, il fait. Non, c'est. Chakib Arslan était exilé. C'était exilé, même une des salles smigrochées, je pense, de la Suisse. De la Suisse, à Genève. Voilà. Donc, de la Suisse, il était son secrétaire particulier, etc. Mais le souci de Mseli, c'était quoi? Le souci de Mseli, c'est de trouver des appuis. Avant, il avait l'international communiste comme appui. À partir du moment où l'international communiste n'était plus pour l'indépendance des colonies, qu'elle était pour les fronts populaires, à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus rester dans ce cadre-là, il lui fallait d'autres appuis. Afemi Ktka, il Ktka, la Ligue arabe qui était en train de naître, donc avec le panarabisme, etc., avec Azzam Pacha, avec Shkib Arslan, etc. Son appui, c'était ça. Et plus tard, c'est ce qui va expliquer le mémorandum, le fameux mémorandum à l'ONU, où il dit que le peuple algérien est un peuple arabe et qui existe depuis 700, depuis l'arrivée de l'islam. C'est ce qui explique ça, c'est que c'est un souci tactique pour Mseli. D'un point de vue tactique, il avait besoin d'appui. Mais justement, c'est pas tactique. Non, il était convaincu. Il était convaincu. Il a des convictions. C'est quelqu'un qui a participé au congrès NAC de 1931 à Jérusalem, du congrès de 1935 à Genève ou à Kéla, et 1938 au Caire. Il a participé. Bon, je suis d'accord avec toi, Amkhra. Mseli, d'accord. Comment tu expliques que toutes les tournées nord-africaines le réveillent et qu'ils ont marché dans ce truc-là? Si ce n'est pas un souci de trouver des appuis. Les Laïmèches, les Ounet Velkassem, comment il s'appelle Laïmèches déjà, déjà un farak. Mais ils ont continué avec lui. Ils ont continué. Non, donc non, le souci. Mais c'est image. Pour les années 40, Mazel de PPA, il y a un groupe, Thamazir, Telsid Gartavla. La question de Tmazir, c'est vrai qu'au niveau de PPA, au niveau de la tête, Mseli et ses deux alliés, oui, mais il y avait des gens qui soulevaient la question berbère déjà en 1941. Oui. Mais ils étaient une minorité par rapport. Parce que maintenant, on a les chiffres, par exemple. La majorité des militants du PPA MTLD, c'était de l'Okveil. Il y avait 80% des effectifs du PPMTLD, c'est des Kabyles. Mais maintenant, la doctrine qui a été suivie, c'est une doctrine arabiste. Il y a quand même une contradiction. Il a révélé de la femme qui ont posé le problème de Tmazirt. Le problème de l'algérianité, en vérité. Ils posaient le problème de l'algérianité, donc l'Algérie algérienne. Ils étaient minoritaires. Quand est-ce qu'ils se sont manifestés? Quand est-ce qu'ils se sont réellement manifestés de manière politique, en prenant des initiatives? C'est à partir de 1947. Parce qu'en 1947, pour poser le problème de l'indépendance à l'ONU, Mseli a envoyé un mémorandum où il disait qu'on était des Arabes. Et là, les gens lui ont dit non. Et il y a eu la fameuse brochure de Idir Louatani qui expliquait qu'est-ce que c'est qu'une nation, qu'est-ce que c'est qu'un État, c'est quoi l'histoire de l'Afrique du Nord, etc. Et Ougal Nelmid Massilissa, Jugurta, etc. La Woudik, c'est même à l'époque l'article, il y avait même Jaras, Belhoussin. Idir Louatani. La brochure, c'est Idir Louatani. Mais pour répondre à ta question à Kamel, et il faut savoir que la plupart des PPMTLD sont Ghranel. Ghranel est un peu plus jeune que nous. Et au dernier, c'est les intellectuels islamistes et nationalistes arabes. Il y a eu à Genève le père de Tariq Ramadan qui dirigeait l'institut islamiste à Genève. Hein, financé par l'Arabie Saoudite, qui faisait son travail au niveau des nationalistes nord-africains. Il y avait Chakib Barsan qui faisait son travail au niveau des nationalistes nord-africains. Il y avait Rachid Reda qui faisait son travail au niveau des nationalistes nord-africains. Donc, où est-ce que vous avez fait un test de Jahdinsen et où est-ce que وقد اكتنظل في الاستقلال تمورت نسنا ما دي الماروك دي تونس نغدي دي الجزائر نغدي الليبيا هذا غالا ضارب دي نسلم
Il y a aussi le travail de l'ulama. Il y a le travail de l'ulama. Le mouvement national, il faut d'aguer des Français, des milieux ouvriers. Mais le milieu ouvrier, même le Grenada. Le Grenada, l'Afrique du Nord, ça remonte à l'histoire, ça remonte à Massinissa, à Jugurta et tout ça. Donc c'est ça. Et on doit savoir que l'ulama, à l'époque, l'association de l'ulama, sera une hiérarchie, surtout. Attaque des formes, la majorité des cadres islamistes, avec le régime, le mouvement islamiste, fondent des jumaïets, les ulamas, les musulmans, à l'époque. À l'époque, l'idéologie diffusée par cette association, c'est quoi? C'est que nous sommes des Arabes, enfin, et la langue, c'est l'arabe, et d'autres religions, c'est l'islam. Et même, si on dit nous sommes des Amazigh, mais on a été arabisés par l'islam. C'est comme ça, c'est-à-dire la devise dominante à l'époque. Parce que la naissance du mouvement Amazigh, elle a été une élite à l'époque, c'est une peu. Enfin, c'est comme juste qu'elle. Qui revendiquait, qui parlait de l'Algérie algérienne, et c'est une élite. C'est pas tout le monde, c'est pas une revendication de masse à Makagheth Lassoura. Il était une revendication d'élite et une certaine élite francophone. Ça veut dire que Rebouni Gharan Ta'araf, il s'élimanait Ta'araf parce qu'il a été formé des Sharq. Donc, on lui a inculqué l'idéologie panarabiste. Donc, il y a Ta'araf, il s'élim. Même Imaziran, il Kvayil. Et il y a Gharan Dina, il revient ici. Il dit que ça fait beaucoup plus l'arabisme que l'islamisme. Donc à l'époque, il y a une petite minorité d'intellectuels formés dans l'école française, probablement à Tariq Akhna Nidan, donc qui ont revendiqué en 1949 l'Algérie algérienne. C'est-à-dire avec Ali Hia, Rachid, Ali Hamchali et tous ceux qui sont suivis. Et tous ceux qui sont suivis. Après, vous gagnez en 1947, souffrant. Vous gagnez après, vous avez un petit. Pendant la révolution algérienne, la question berbère ne s'est pas posée parce que le but, c'était l'indépendance. Ça veut dire, c'est une chose de Nimerna, machine de la Mazère, mais l'essentiel, c'est qu'on est dominé par une force coloniale. Donc, à l'indépendance, probablement à l'indépendance, on va discuter la question à Mazère. Après l'indépendance, on a vu le clan qui a été manipulé par Nassar, c'est-à-dire que l'Égypte a joué un rôle déterminant, je pense, un rôle déterminant dans le processus de décolonisation de l'Algérie. Comme par exemple Abd Nassar, il a manipulé Ben Bella, il n'a pas manipulé Mahsas et tout ça, parce que c'est des personnes, Ben Bella, Mahsas, Nawida, il y a Ibad Ghrinara. Ghrinara, il y a un état de Mousni et tout ça, donc il y a un Nassar, il y a un état de Voilà, après le lendemain de la révolution algérienne, Ben Bella et Gouzad, qui ont dit que les Arabes, après c'est l'idéologie, c'est le panarabisme qui a dominé en Algérie, et toute l'élite kabyle, le mouvement national, a été marginalisée. Donc un petit peu, il y a ça, c'est-à-dire il y a un processus historique qui fait qu'au lendemain de la révolution algérienne, toute personne qui est censée, n'a capable de porter la revendication amazigh en Algérie, de dire que l'Algérie n'est pas uniquement arabe, il y a une dimension amazigh, elle a été marginalisée, elle a été assassinée. Donc à partir de là, au lendemain de la révolution, il y a une alliance entre le baptisme, représenté par l'idéologie baptiste, enfin nasiriste par Ben Bella, et une alliance avec l'ulama. Donc il y a l'arabo-islamisme qui s'est retrouvé, qui a gouverné l'Algérie depuis pratiquement 62 et jusqu'à maintenant. Après, c'est à partir de 60 et 70 qu'une autre élite, une Mzayen, enfin, des Sdawin et tout ça, et que vous êtes en train de faire la revendication à Mazir. Donc, je pense que c'est ça. Alors, mais quand même, Alain, Khassiman Moukhel, Khattafa Mazir, le Kémaraken, le Thmour Tnazan, le Thmour Tnazan, le Maroc, Khassiman Moukhel, Am Chouardad Delhan, Am Diana,
من كشمن يلي ونمشي قارض هذه رصينا بس الجهد للدين نغمس الجهد والسلاح أنا في ذاك المثل ثلاث مازالت تدار ماشي كان غورنا أستفضل ليبي خاصة كني القدافي اللي كخدم ماشي كان ذنو قبل العقل في مازيغ ذي وكنا تسمحو ماشي جوج تيموت القدافي الولا ثمازيغ تمكن دي مازيغ نمكن تكرر ثمازيغ مازالت تدار تمسلايات الجهد انتو ثلاث تدار خاصة ذي القرون يلوين دي روحاني عرضة تسمحو fait il de mes vacances là mais moi j'ai une autre vision tenir du jihad moi je vois le tout à fait le contraire je vais citer juste l'exemple d'Inam Khouranaï qui me dit que je me remets à Alger on était 3 millions et tous c'était des Amazigh maintenant tu vois les dernières statistiques qui sont pas fiables bien sûr parce qu'il y a pas de statistiques qui sont faites il y a des gens qui parlent de 25% de d'Amazigh d'Alger. Je ne sais pas si de 100%, on était 3 millions et tous des Amazigh, 60 ans après, je sais 60 ans après, un siècle, presque deux siècles après, il y aura le 25%. Donc, tu vois, peu près, les Rohans. Dès le Maroc, c'est pareil, on parle de 12 à 13%. Non, le Maroc, c'est 35. 35. Non. Plus de la moitié. De toute façon, les statistiques ne sont pas fiables. Hein, parce que, Les Libyens, il y a des gens qui parlent de 500 000 berbères. Des Tunis, entre 1 million et 2. Donc, on a perdu quand même beaucoup de... Donc, il ne faut pas dire que, malgré tout, on a subi, de par l'histoire, des invasions et des agressions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que ce qui a porté le coup de massue, comme on dit, c'est l'islam. En adoptant l'islam, c'est là que ça m'a zéro. Parce que l'islam implique l'araf, et c'est pour ça que, malheureusement... Mais je sais, où il y a de l'Indonésie, où il y a de l'Iran. L'Iran, c'est mort. C'est des Perses. Mais pourquoi Gourna? Parce que je suis du Nord, qui a été grenagé avant la Seigneurie de la Fontaine et de la Fontaine. Je suis du Nord, c'est le reste. C'est ça le grand. À savoir, les Turcs, les Perses, c'est une ancienne civilisation. C'est pas n'importe quelle, les Perses. Avant, ils étaient une grande civilisation. Plus ou moins. Attends. Les Turcs, autant. Les Turcs, à un moment donné, ils ont dominé le monde, l'Afrique du Nord, il y a un empire quand même. Ils ont connu ça. Vous avez un peu de temps, mais c'est un peu de temps. Vous connaissez un peu à chaque fois, il y a Adies ou Varania, ils nous dominent. C'est-à-dire, on l'a complètement. Parce qu'il y a une chose, dans le rapport entre les sociétés, il y a des rapports de force. Tu me domines, je te domine, c'est ça, il y a des rapports de force. Donc, l'Afrique du Nord, enfin, tu as dit que 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 ومي قلت أن سوء ثبحة تروح دونك أغوفل داغوفل النظام إلا قال مقلن ديك لأغوفل أغوفل ذي الحكام يقلنا دا شو دا ناتور نسا سي لزيطا كي ون اكزيستي سور ست اسباس كي صوت انتروجي الغاشي سخدم توتليت نسان سخدم إدلس نسان اكسترا تفنديس ما تواليد بالليل دايما اللي شقيق يا الحكام Parce que c'est l'autre qui a toujours gouverné. Pas seulement l'autre. Le royaume chérifien, au Maroc, c'est pas l'autre. C'est une partie de la société. C'est une partie de la société marocaine. Mais n'empêche que c'est une partie distincte. C'est une partie qui n'est pas totalement intégrée. En Tunisie, le pouvoir il a été stable. Le pouvoir tunisien, il a connu une stabilité singulière. Mais toujours est-il que
il y a eu une distanciation entre les institutions qui existaient et la société réelle. Ben, la société la plus déstructurée, c'est l'Algérie. Mm-hmm. Et, la société la plus retardatrice, c'est la Libye. Mm-hmm. La Libye n'a pas connu une intégration nationale qui lui permette d'avoir son propre État. Il y a un État de TFA, c'est-à-dire un ensemble de tribus. C'est un ensemble de tribus. Mm. L'Algérie, on a connu un État colonial qui nous a vraiment déstructuré comme société. Il a fait aussi un travail d'intégration parce qu'à un moment donné, même l'Algérie a été des tribus. Oui. La tribu de l'Al-Sharq, à un moment donc, donné. Finalement, la question qui se pose, c'est comment avoir. Quelles sont les structures qui doivent nous refléter? Quels sont les États qui doivent, quels sont les États qu'on doit se donner? Parce que la région turque, ça a été une grande parenthèse. La région turque, qui n'ont pas servi. La colonisation française est une période de déstructuration. Les États post-coloniaux, c'est des États qui ont hérité d'une vision déformée de l'histoire. Ils ne se sont pas donnés, ils ne se sont pas affirmés comme une émanation de la société. Ils se sont affirmés comme un moyen de contrôle de la société. Le royaume chérifien est un moyen de contrôle de la société marocaine. Le pouvoir algérien, ça a été un moyen de contrôle de la société algérienne. Et en Libye et en Tunisie, on a vécu la même chose. Peut-être que c'est là le fond du problème, tu vois. Parce qu'un État qui se dit, moi je suis issu de cette société, eh bien écoute, l'Afrique du Nord, tu verras, le substrat amazigh, il est là. Tu ne peux pas le nier. C'est un substrat qui existe, qui est ancien, qui est pérenne depuis une éternité. On ne peut pas contourner ce substrat. Or, tous les États le contournent. Justement, je vais vous dire, est-ce que dès le départ, le problème avec l'amazigh وثري نرى أذيك شم ذوق النار هالشغل إذن توجوري سيثرن ذي طرف دي بوينت في انستيتيسيون و دي بوينت في كونستيتيسيون سادير كلش سرد ذي طرف عرضا ذي تمحون ذا ذرا قرولا لحون ساتبع لنا ذي تخدم مواح ذا كني ما زالت إلا ذوق النار في اللعب بسوذ منصب ولاش أخطر إذا قام خذ من الفرق يدبر من عذرة في الإسلام يخطر إلي يون الإسلام من الشرق سنيت إلا الإسلام يقول الحمد لله مورث النغسيزي استنى الإسلام يدي كان مواكس جوث اللي أقل يوم قال السوفيز ها الإسلام يدي تكن زاويات يدي تكن ذا غني يون الإسلام نكون سايا يون الإسلام يخلطن ذا لا وايد لنا أما كن ذا عنده مورا نظنا مام ذا مورا بارافن ذا باكستان ذا الأفغانستان الطفض الإسلام نسل يخلط ذا لا وايد نسل وليش الإسلام كان محتوب كينين ثلاثة الأقلية الإسلام كان وحدس وليش لا وايد نتمورث النيل وليش من كل تمورث الإسلام السلحوي ذي الإسلام يخلطن ذي لا وايد الناس دوك نكوني نسى زيك الإسلام يخلطن ذي لا وايد النق ومقارن السوفيزم الدايور ما تمقر ذكام الإسلام ليه الحس القبيلي بار اكزامبل كان المثل في القبيل الحس القبيلي الشيخ محمد الحسين يهدر استقباليت لا ساجس استقباليت كلشي استقباليت فما تروح دور الزاويات تفسير القران استقباليت داغني نساك كما كيتقرا لا وايد النغ شدن والاسلام ولكن اسمي دي بوزنيا في الاستعمار الفرنسي الاستعمار الفرنسي هني دي مزوره يديبين الاسلام ديال الشرق وبند الإسلام من الشرق أرنا نزد لوايد من الشرق أرنا نزد عرفت دغني من الشرق أخذت أن كل ما تور مدنين دغني تو ثلاثة جيت عرفت تنو مقارن أساقي الدرجة تو ثلاثة عرفت الجزائر دي الحقيقة ما تشيت عرفت تلا ذيك ستروميت تلا ذيك تو ثلاثة سمحي ثلاثك ثاركيت ثلاثك ثاغريكيت ثلاثك البرتغالي ثلاثك الإيطاليا ثلاثك الفرنسيس ثلاثك المازيغ ثلاثك زعما شوط نتعرفت دوك ديك توثلاين إيكلان لا ميديتيراني إيكلان داخل توثلايتاكي وإذا غني مهما قلت فاش تبدد في يون الإساس وما قلنا سانتاكس تمازيغ
ماشي دي لا سينتاكس عرب لا فورمول تاع الفراز دونك ايروميه الناس مي تروح نصغرنا دونك صغر ديمورتنا اللي انت لاكولات نطارفت من الشرق اللي ذعنينا دي زيكول كورانيك صغارا الاسلام من الشرق هاتنا ميك يتبدا يتبدا تتعزل سما زيغ يوك لاويد مزيغان يوك تو ثلاث اشتكيت رمز اشو كان من بعد مثل بوثيمون انت الجزائر لانديبوندونس تبوت 62 الماروك 52 لا تونيزي 56 مي خاصك اذا بوين قعدان رصان ثو ثلاث طارات اما ذوك السلمد اما غادي لادمينستراسيون يانا تبعتو عكاز غا فينا يتمسلايين عدن القر عدن سكواسن ميثو ثلاث ثقيل دون كال جاليان تيبيكمون تو ا دو ريزون دون كال جاليان سيد تبزيروت اون فيزيون ايديولوجيك باسكو ليدونتيتي نا لي ديفيني دي بوين دو فيو ايديولوجيك n'est pas défini disons en tenant compte des données historiques du cheminement de la nation etc. C'est la vision idéologique, c'est la vision arabo-islamique. De Gitem Zuerout, Tisnet, c'est ce que dit tout le temps le Coran, c'est qu'à l'indépendance, ce n'est pas l'État algérien qui a été construit, mais c'est l'État colonial qui a été investi. Parce que l'État national algérien, c'est l'État qu'il y avait entre 54 et 62. L'État qu'il y avait entre 54 et 62, il tenait compte de la sociologie algérienne. Il y avait les wilayas historiques. Chaque wilaya historique, c'était un gouvernorat. En vérité, c'était ça. Ça recoupait des unités socio-historiques qui étaient bien distinctes. Et il y avait un niveau central qui était le GPRA, le CNRA, etc. Donc c'était ça l'État algérien. En 62, il a été cassé. Et on a pérennisé l'État français. Et là, Mouloud Loune aussi, qui intervient souvent sur la question, il a raison de le faire, de dénoncer le jacobinisme. Donc on trouve une conjonction entre deux choses, entre le jacobinisme qui est une conception française de l'État, ça veut dire que c'est un État unitaire mais avec une seule langue, etc. Et une idéologie qui est l'arabo-islamisme qui est héritée. Ce qui fait que. Qui est héritée de la dérive tactique, je termine tout de suite, de la dérive tactique de Messali qui est devenue un virage stratégique. Le point de vue de Luna aussi, en disant que c'est du jacobinisme, avec des nerfs, en fait, il ne voit la chose que par un seul aspect, hein, par l'aspect organisation, structure de l'État, qui est jacobine. Mais en vérité, c'est pour ça que je dis que c'est un État, nous avons affaire à un fait colonial, parce que non seulement il y a cet aspect jacobin de l'État, non seulement cet État a été un État colonial dans sa nature et qui a été investi par le pouvoir, par l'armée des frontières, mais en plus, il y a une idéologie importée. Et cette idéologie importée, pour répondre justement à ta question, il faut dire que, alors, un hikad de 1926, un hikad de 1926, un hikad de 1954, il y a eu des intellectuels du nationalisme arabe et du pan-islamisme qui ont approché les indépendantistes et qui les ont travaillé pour aller dans le sens de la nation arabo-musulmane. Asmi Debod Nasser en 52, Nasser dernier, il a fait un travail avec l'armée des frontières. Il a fait un grand travail. Et c'est le Huy et Gfasnis Boumdien Boussouf. C'est Fethi Deb qui commande. Voilà, Fethi Deb qui commande. Et donc, c'est Guy de Veda. Et d'ailleurs, Winnat Ismis Abban Ramadan, s'il n'a pas, dans le congrès de la Soumam, évoqué la question de l'arabe et la question de l'islam, c'est pour éviter. Des affrontements. Non, voilà. Même il y a la marginalisation, donc il y a Ben Ramzar, il y a un petit peu de ça, même des Gounes, des Moutines, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire il y a Ben Bella, quand il a été sublé à Ben Ramzar, il a félicité, oui, effectivement, donc vraiment, il a fait la publicité. La publicité, d'accord. D'accord. Notice. نوتة فواليك شفو في الناس أدن والين السبت والذلل من نروح نقال نكسي لاري أدن والين السبت والذلل وذا أدن والذلل كمال أول الذي يغزيف
أكان غادي نوال نكمل الأول غف لي حالا نتمازيغ نيدلس لوكود ليدونتيتي لوكود سوثلايث يمكن نحاول مشوار ينس على مدى الساعة رزقي كساك أول كمل الأول لك ألور l'indépendance de l'Algérie, comment que l'Égypte a joué un rôle négatif dans l'indépendance. Donc, elle a favorisé l'émergence, l'arrivée au pouvoir d'un clan, d'un pouvoir, des personnes qui ont déjà été formatées déjà à un moment donné en Égypte, en l'occurrence Ben Bellad ou Raïs. Donc après, c'est ce qui a donné la naissance de, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie en 62. Mais on doit dire les choses aussi, on doit responsabiliser les nôtres aussi. C'est-à-dire, dans la société, il y a des rapports de force. Tu domines, mais tu es faible, tu seras dominé. Donc on doit pas, le peuple amazigh et en général, on ne doit pas toujours récriminer l'autre parce que oui, il m'a dit à Kestamar, automatiquement, il a posé la langue Inès, ou il a posé Dénine. Mais il faut avoir la force de résister. Mais il faut de le vide, donc automatiquement, donc il va te dominer. Mais il faut de ça, il va. Par exemple, les Perses, non, les Turcs, ils étaient islamisés, mais ils ont gardé leur langue. Par exemple, je ne sais pas, moi, en Inde, il y a pas mal de. Au monde, il y a 200 000. Arabes, il y a 1 milliard de musulmans et la majorité des musulmans ne sont pas des arabes. Là, plus 800 millions de musulmans qui ne sont pas arabes. Il n'y a que 200 millions d'arabes. Mais à Chouan, nous n'aurions pas d'arabes. Enfin, chez nous, il y a d'arabes, nous n'aurions pas d'arabes. Mais à Chouan, nous avons été arabisés. On a été arabisés. À la tour, en 2013, c'est la faiblesse, non, on ne doit pas incriminer toujours l'autre. Ça te dérange vraiment. Voilà. Ça te dérange. Non, c'est pas la culpabilisation. C'est pas je me culpabilise pas. Mais il y a les données historiques, mais il ne faut pas se dire toujours c'est la faute de l'autre. Si tu es la faute de l'autre, parce que tu es faible que l'autre qui te domine. Tout simplement. Mais je vais te dire pourquoi ça me dérange. Parce que maintenant, c'est un nouvel val. Soit tu identifies clairement un digila watané. Donc tu vas l'aider à avancer, à le régler, non. Non, tu vas le culpabiliser, il ne va plus bouger. Le vrai problème, il est au niveau de l'État. Il n'est pas au niveau des gens, il n'est pas au niveau du peuple. Il est au niveau de l'État. Est-ce que Doulan, non, est-ce que Doulan, il dit Fondi, non, de Gugdouda Djaïri. Non, mais il dit Doulan, il dit Fondi Gugdouda Djaïri. Parce que Maïla Doulan, il dit Fondi Gugdouda Djaïri. Aïni l'an tout l'aït, il djaïriïn. Aïni l'an l'idlis, il djaïriïn. Mais les douleurs n'ont pas, ils ont des douleurs. Donc, Sultan du Maroc, le Sassi, c'est de Wadi. Sultan de Taka, la majorité de Sultan de Taka, il y a Hakman, qui est Karno. Eh, voilà, donc le Sassi, c'est Wadi. Donc, le Sassi, Taraf Tinslem, tu vois. Le pouvoir tunisien, c'est un pouvoir qui est hérité du Beylik. Qui est hérité du Beylik. C'est lui qui a continué. C'est pour ça qu'il y a une stabilité. Donc, il s'est donné aussi un socle qui est de ce type, arabo-musulman. L'Isnoussi, quand ils ont fait le royaume. En Tunisie, le paradoxe, c'est que la culture berbère, c'est la culture arabe. Parce qu'ils se considèrent phéniciens. C'est un militant tunisien, c'est un problème en Afrique du Nord. C'est cette vision-là. Pourquoi ?
parce que c'est une vision assimilationniste. C'est une vision qui nous rattache à une entité d'abord qui n'existe pas. Il n'y a pas de nation arabe, il n'y a pas de nation musulmane. Et ça nous rattache. Les conséquences, c'est quoi? S'il y a une nation arabe, ben on va tomber dans la logique, il faut arabiser les gens, c'est ça le fondement du baptisme. Gael, on définit les Arabes par leur langue, et celui qui ne connaît pas la langue, il faut la lui apprendre. Donc l'équation est celle. Maintenant, il y a une expression de Ketbia Sineshkid, si nous sommes des Arabes, pourquoi nous arabiser? Si nous ne sommes pas des Arabes, pourquoi nous arabiser? Tu vois. Donc, dans tous les cas de figure, on est dans une logique assimilationniste. Je ne dis pas colonial, mais je dis qu'on est dans une logique assimilationniste. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'affirmation de notre propre identité, mais on veut s'intégrer à une autre identité. On veut le mettre dans les Saoudiens, mettre dans le Quraysh, qui est un arabe. Mais il y a un qui a été reconnu comme arabe par ces gens-là, et il y a des dîners. Où est-ce que c'est un arabe? Là où je ne partage pas l'idée, le concept d'assimilationnisme. Je ne partage pas parce que quand on parle d'assimilationnisme, on pense immédiatement à Farhat Abbas, Maka, Ludma. Or, je rappelle que Farhat Abbas avait une vision qui est complètement différente complètement différente de ceux qui sont actuellement au pouvoir en Algérie depuis 1962. C'est-à-dire, Farhat Abbas, il luttait quand même pour l'émancipation du peuple algérien. Il luttait pour les droits des Algériens, même si c'est dans le cadre assimilationniste français. D'accord? Par contre, Ouïghour, il ne lutte pas pour les droits des Algériens dans le cadre de cette sphère-là arabo-musulmane. Au contraire, il veut complètement dépersonnaliser l'Algérien. Et deuxièmement, il lutte contre ces droits, y compris socio-économiques, culturels. Et il déforme son histoire. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est plus qu'assimilationniste, il est colonial. Voilà la différence entre les deux. Alors après l'indépendance, Ben Bella, Esfsir, l'alphabet Tifinagh et Glen del Musée. L'imprimerie nationale. Ben Bella, il s'est fait l'alphabet berbère et il a l'imprimerie nationale à Alger. Il a séquestré toutes les archives berbères. Et demande les archives berbères lire et remqithent. Et wakil yonet ou risli yissent, yonet ou ntiqar, etc. Donc, yani atoualim bli. En 1975, نجمانت تريبولي en Libye. Et Dina de l'Algérie qui a proposé à ce qu'il y ait une clause, qui stipule l'interdiction d'enseigner ou de promouvoir les langues autochtones de tous les pays dominés par les Arabes. Et donc, voilà, c'est Feyegoum Badentsa. Il a séquestré les archives berbères. Fera mbd oudem dami khdemou dabou ila qan mqol oudem am kitsnkar ni magnasn des militants w di gomen ghafou menno khatar man mqol ayna khdemen w qbel ayna twaqa men di lqira w ba3d mi thbou dzayer l'istiqlal am kitswaqa men oudabou am di marok am di tunis am di la libi am di dabou khassou la mawdi fi gharad gzar machi khdemana ghaf afektou dinis. أنا في ذاك النير ديال ثمرة تمذي المرو كمذي لا ليبي أمذي لا تونيزي أمذي ثمرة الجزائر أنا في ذاك كرن دي مغناسن ذو ذاك يقول غنو بعد تشمع
أن إذا نوضنا فوزار زمان مقل أما تمثيل دي المولود أما الأكاديمي بربير دي دي فرنسا زمان دي المقل دي الماروك الطاس إبغدا دي كرن سنضاحا يجو على رسل دي لا ليبي خصو لما ستوفر غطاس دي لا تونيزي دي ناتيك ستوفر غطاس من أضو ويخسارة تشمات شعل شعل دم كي تضرى اسكو تيمور انت مزغا سوينت مغرين سن غفين يقدرون دي الجزائر ناضي الثامورث إلا وحال شيك قومنو Le problème, c'est que, les choses qui c'est que il y a un lien abstrait. C'est à mon sens, c'est abstrait. Ça veut dire, soit c'est préhistorique, mais qui n'existe pas dans la réalité. L'un est le Qbaïl, l'un est le Chouïl, l'un est le Chouïl. Il y a des communautés un peu partout. Mais il n'y a pas. C'est une langue vraiment qui unit tous ces gens-là. Il n'y a pas d'État, il y a pas de douleur. Oui, mais malheureusement, tu vas te battre tu vas te battre pour une langue qui existe. Si tu te bats pour une langue qui n'existe pas, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a la division à gué. Effectivement, il y a des ressemblances. Mais on ne parle pas la même langue, malheureusement. Et depuis tout à l'heure, il y a des facteurs derrière. Oui. Le fait qu'il n'y a pas de contact, les frontières. Il y a l'enclavement. مي اسمات وغرات مسلاد اساكي ثورا اتفات مسلاد وكذو تيرغنات مسلاد وكذو مازيغ الماروك تزوال غير تجي تشافر بما كان فوها يا سلام ثاني في مزوغ فيك داف بلي كوان تقارنت كل اذا غنقاري وقد خطر ثلاث مليليت نو سا جو كومبرون مي سي جوست بور سيتي سالم شاكر شيكني نيك لا لانغ بربير اي اون ابستراكسيون لينغويستيك اي نو اون رياليتي سوسيو لينغويستيك ايدنتيفيابل اي لوكاليزابل سا سا فو تو دير فينالمون C'est-à-dire qu'il n'est pas identifiable, il n'est pas localisable. Tu ne peux pas dire Thamazir qu'il est parlé du Maroc, dans l'Izer, dans les Tizouzou, dans les, ailleurs. Il est parlé nulle part, finalement, le berbère. C'est ça. Quand tu milites pour l'abstrait, c'est difficile. Le Hadja où n'existait rien. Qu'il va falloir recréer. Les gens qui militent, ils apportent une réponse. Il n'existe pas sur le plan juridique. Juridiquement parlant, cette langue-là, ou la hadith. Mais sur le plan sociologique, l'air de Guatas. Unifié, non. Il n'existe pas une langue unifiée. Oui, mais elle a une unification. Il faut recréer. Elle a une réalité historique. Mais oui, je sais. Ça, c'est l'un des problèmes qu'il faut traiter. Oui. D'abord, les gens qui militent, qui sont engagés sur ces questions-là, ils apportent une réponse. Ils disent que cette langue elle doit être reconnue, elle doit être promue, elle doit être soit unifiée, soit promue dans sa diversité, etc. Recréée. Voilà. Le danger, c'est qu'il y a des gens qui ont exactement cette approche pour dire le contraire. Il y a exactement des gens qui ont cette approche pour dire que finalement, c'est une vieille langue, c'est une langue morte. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des spécialistes, mais on se limite à ça. Tu vois. Oui, mais la réalité, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas ? Elle existe. La réalité, c'est qu'elle existe et qu'il faut lui donner les moyens pour sa promotion. Et ça a été le combat de quelques militants. D'abord, ça a été le combat de quelques militants. On a l'exemple 49. Parce que c'est le tout le monde. Il y a que l'identité vient d'Atas de l'Zaïr. Parce que l'Zaïr, elle a une histoire particulière. Le type de colonialisme qu'elle a subi, il a été particulier. Donc, il a fait interroger les gens sur leur histoire. Les réponses qui ont été apportées, c'était des réponses qui dérangeaient dès le départ. Dès le départ, ça dérangeait. C'était des réponses arabo-islamiques, c'est pas possible. Donc, ça, c'était une question qui n'était pas satisfaisante. Le problème, c'est qu'il y a eu des questions. C'est revenu. Donc, dès 62 quasiment, c'est une question qui a été posée. Il y a un Saoud Mohamed Arab, qui était capitaine de l'ANN, qui était un mujahid qui a contribué au combat, etc. Il a commencé à travailler pour cristalliser une dynamique qui pose le problème de Par exemple, le drapeau de Tmazara,
سي اغراو مزيان تي ديخدم سي لاكاديمي بربر تي ديخدم اسمي لان دي مخضا لان دي مخضا ولا انا قلت سي انسان خدمت بوتيت كي بوفي اتر تريتي دو تو تو لي نو اوجوردي سي ان درابو كي يوني كي يوني لي جون كي يوني لي جون سور ان اسباس اكسترا اوردينير دونك تو راه ماشي امكيت لحاتي كي انسان امكي قلحا ومن ومن نو انسان سي اكسترا اوردينير كوم كوم افونسي مي سي فري كو الجزائر الاوكوب اون بلاس depuis le départ elle occupait une place particulière sur cette question. Alors مقارن مقارن في خطك 16 ل 30 alors دام كي قلنا ونضحى في ثلاثه تمازيغ سكوس ندي 70 اسكو ندي 60 70 اسكو ميرني تاكميش لي انتيليكتويال ودي ديفانن ان اكدو دي لافير ذا شوكان ودي كني غران اكتنضح انا غير بزاف alors لقد نخدم بون دابور تبداد اكدني il y a plusieurs cours tu as cité une des cours ama gorna ama di maroc ta di maroc ou le zaïr il y a une devda il a 60 tu bda d'abord ama kedna bi saoud mohamed arab bi saoud mohamed arab il khadem l'académie berber en 1967 donc si là il faut dire le mouvement des petites organisations, à TAS, Gilan, Etij, l'OFB, etc. Ils diffèrent, c'est le chadma, ils chadment, mais ça vaut moins d'arabe. C'est le dernier. Lequel est ce chadma, monsieur? Il y a plein de cas ici, il y a les collègues, mais c'est un chadma. L'an dernier, où ils diffèrent, c'est la chaire de Berber animée par Mouloud Mamri. Bien qu'il n'était pas engagé politiquement, il a fait un travail culturel, mais où ils diffèrent, l'an dernier, chemin des certifs. كما دينيض الجروب سعيد سعدي خليل سعيد دومان اتسترا وكذا كيك سينيكو يدفغن محيا اتسترا مي وكذنيا مفرقن شو طاح خاطر خيرا رحنا اورس سرتيت خيرا رحنا ذي الموفمون انا كولتوراليست الا دارني ان اوتر موفمون اي ديفرون دي لي زاني 70 ومقارن لي بربيرو ماركسيست C'est-à-dire que nous avons du marxisme grâce à des coopérants français, grâce au marxisme. Et donc, le marxisme, nous faisons bien le marxisme est un peu plus intime, la langue maternelle. Donc, nous avons des frérots ici. Nous avons eu 9 ou 80. Les militants en 1980. L'an dernier, bon, des indépendants, etc. Les culturalistes, dans le Maroc, dernier, l'association Oumikan Lamarek en 1967. Lamarek, c'est l'association marocaine d'études et de recherche culturelle. Ou les ismes mazir, ou les ismes berbères, à dire qu'on est défendu. On bête dernier, Lamarek est guidé, c'est l'association Oumikan Temeynout. Dans le thème, nous avons travaillé sur le plan culturel. Mais à partir de 1979, il y a eu beaucoup d'associations. Il y avait des associations jusqu'en 82. Ali Zaïko a été arrêté en 82. Il a été arrêté. Il a fait une année de prison. Ombad de 82 à 87, il y a eu une traversée de désert. À خاطر la répression était très forte, il y avait une traversée de désert. À partir de 87, il devait être dans les autres associations, mais cette fois-ci, c'est des associations qui sont carrément des certifs. Bon, ombad de wam qui saoudan, خدمنا la coordination nationale par exemple, qui la wa makni, خدمنا une coordination nationale تمازيغ, mais elle n'a pas duré. C'était 2-3 ans, je fais à la chale, ombad de tfarq,
Ils sont traversés par des courants idéologiques, des courants politiques, etc. Les Marocains, ils ont fait beaucoup de réflexions. Nous, on était des activistes, saisis. Quel que soit le courant, Adam Taf, nous avons toujours été des activistes. La réflexion, juste de côté. Le seul document au niveau de la réflexion qui existait, c'est celui du séminaire Yacourel. Mais encore, il est un peu obsolète. Il est un peu obsolète. L'un des écrits, il y a des articles. Il y a des. Bon, il y a Saïd Sadi qui a écrit dans le journal Tafsous. Tu trouves des écrits, mais ce sont des articles. Une réflexion collective, ça n'existe pas. Par contre, il y a une scène de réflexion collective. L'Algérie, c'était plus empirique. Voilà, c'est empirique, c'est de l'activisme politique. Voilà un peu le mkhalfi. De la Libye, c'est des individus. Par la Libye, par les îles Canaries, et parce que voilà, c'est-à-dire 1980, un monde donné, voilà, dans les années 60-70, la revendication berbère était une revendication d'élite. Et une revendication, à un moment donné, était une revendication d'élite. Après, ça va être dans le milieu universitaire, effectivement, mais 80, il a permis, c'est-à-dire, il a en quelque sorte vulgariser ce mouvement. Il y aura un mouvement de masse, c'est-à-dire là, ça y est, nous connaissons enfin tous les rachis avant 80, des choses de mesure, nous aurons des choses comme que vous me souvenez. Après 80, nous aurons un rachis public, c'est un tarikh qui remonte à 2-3 mille siècles, et ils donc il y a ça, donc vous voyez. On dira le mouvement 80, et le mouvement, c'est-à-dire le mouvement amazigh au Maroc. C'est des sujets. La politisation du mouvement, les revendications politiques au Maroc, après le mouvement 80. Parce que le mouvement 80, il a posé le problème, c'est-à-dire il y a la revendication amazigh, mais il y a la revendication démocratique dans laquelle a posé le mouvement 80. Il n'a pas posé uniquement la problématique amazigh. Il a posé aussi la problématique de le problème démocratique en Algérie. Et maintenant, tu vois, la Tamazight ne peut pas être que dans un État démocratique. Là où il peut être reconnu. Il peut être reconnu, effectivement. Donc à partir de là, donc le mouvement amazigh au Maroc, c'est à partir de là que le mouvement amazigh au Maroc, au cours des années 90, il a formulé des revendications politiques. Après, tu vas dans le Venezuela, en Tamazight, tu cherches Marouine à l'école, tu cherches dans des institutions, tu cherches les instituts de recherche à Tamazight, il y a beaucoup, mais après, c'est à partir de là, et Hassan II, il a toujours suivi ce qui se passe en Algérie. C'est-à-dire, il essaie toujours d'anticiper. Ça veut dire, avant Askar El Zahir, avant que Askar El Maroc, ça, il donne un petit peu. Donc, il y a un discours dans les années, début des années 90, je pense, 93-94, où c'est la première fois qu'il a rentré à Tamazight. Il a donné beaucoup de promesses, mais malheureusement, après, il donne des promesses, mais après, il ne les tient pas. Voilà, effectivement. Donc un petit peu, il y a ça. Après, au Maroc, c'est après l'arrivée de Mohamed VI que, 2001-2002, je pense qu'ils ont créé l'ERCAM.
enfin l'institut de recherche, l'institut royal de recherche tunisien. Après d'années que je m'étais mazgat à l'école, soit c'est une langue officielle, ou d'années, il y a même des chaînes de télévision tunisiennes. Donc c'est assez à partir de ça. Donc s'il n'y avait pas le mouvement 80, je pense pas que la revendication à mazir attirera ma casse la tour des Algériens, des Maroc, même de la Libye. De la Libye, ils étaient influencés par ce qui se passe parce que le mouvement à mazir et des Algériens, il a été médiatisé. Alors, on parle de Karkhate, on va voir. Non, parce que l'une des associations, dans les années 70, au Maroc, au Zmerdal, le mouvement 80 de Vedan. Vedan, il y a combien de temps? بدأ من 1967 avec la Marek ومن بعد خدم من 88 ومن بعد خدم من دوتر اسوسياسيون يا باش انا تاع امبارح السكن كنت تفضوني كي هو ديال المغرب ومن كي هو ديال ليبي ومن كي ديال الكناري لا اسمح لي لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي pour eux, le Thèbes Timésien, c'est un grand repère. Exactement. Ça l'est encore, tu remets à Dardier. Ce n'est qu'il y a, nous connaissons les Kabyles. Pour nous, c'est vraiment. C'est la référence. Voilà, c'est une référence. Il y a été dit que l'île des Canaries, il y a vraiment un peu de Tizi Ouzou. Il y a vraiment un peu de Hujja. Il y a vraiment un peu de Tizi Ouzou. C'est ce qu'il y a été dit. Il y a un peu de Tizi Ouzou. Il y a un peu de Tizi Ouzou. تفسو في مزيغن تولي تنسم سياقي غردينا وكولي تذبونا غد تسمي ذا المكاورنا كي تدينا إلا ويا إلا ويا بس كنكوني نكوني انا ايتي بوكو وسي ميدياتيزي انا في بوكو داكسيون بوليتيك نكوني لز اكسيون بوليتيك انا ان جران كابيتال فما داكسيون كي غير اي وسي انا سبي بوكو دو ريبرسيون اي دونك سا سي كونو ايتترا بوكو دو ريبرسيون كان ميم مي با لا ريبرسيون كوم او ماروك. Au Maroc, c'était Tazman Bart. Oui, non, mais... Tu vois, oui. Mais c'est ça le... 117 morts en 2000. Oui, mais... c'est quand même quelque chose, oui. Combien de blessés, d'handicapés oui, à oui, vie. D'accord. C'est quand même important. Non, mais en fait, c'est tout à fait vrai, on est d'accord là-dessus, qu'effectivement, la Kabylie reste une référence pour tous ces mouvements à mesure au Maroc, en Tunisie, en Libye, etc. Ça, c'est vrai. ثورة كان دنيني باللي الكل دغني كوم اوني او سان دو موفمون 80 فما دونك il faut qu'on donne aussi un peu les insuffisances de ce mouvement là ses limites qu'on soit pas dans le mythe aussi justement كشي كاش ني زاني 80 كسن ونا في داخل شو لي insuffisances قال alors ni avec les zwar c'est cette l'empirisme Non. C'est cette position, tu vois, que nous avons toujours eue, qui était de privilégier l'action à la réflexion. Il y a un atavisme. Un atavisme contient du FLN, le FLN de 1954. Hein, c'était des activistes. Ils n'ont pas fait une grande réflexion pour pouvoir se lancer dans la guerre. Il leur a suffi d'un bout de papier, vraiment d'une petite déclaration, et ils sont lancés dans la guerre. Donc cet activisme-là nous a beaucoup imprégnés. Ertugrul, d'ailleurs, mazal, encore des gens, ils continuent encore à privilégier l'action au détriment de la réflexion. C'est une insuffisance. Alors, qu'est-ce qu'on a produit comme document? Pas beaucoup. Ou des documents de réflexion ou les chemins du Maroc. Par contre, ils ont eu beaucoup de. En 79, je te fais savoir qu'en 79, ils ont quand même aussi produit un document. C'est la charte de la langue berbère. Ils ont et d'autres aussi. Et la plupart des Sindanéniens, c'est notamment les intellectuels qui écrivent, et qui font de la recherche. Nous connaissons avec des Nersahamis, ces derniers temps que ça commence à avoir. Okay. Nous connaissons les intellectuels qu'on a, avec des Nersahamis, malheureusement, ils ne sont pas très productifs. Nous avons Ali Azeïkoun, ces derniers, ils se posaient des questions stratégiques en collectif. Par contre, nous ne se pose jamais des questions stratégiques en collectif. L'MCB, par exemple, on ne s'est jamais réunis. En dehors du séminaire de Kourel, on ne s'est jamais réunis pour dégager une réflexion et une stratégie commune. On ne s'est jamais réunis. Toutes les tendances que l'on a fait le djihadisme. Par contre, Dahi Gorsen, des coordinations ont donné naissance à des documents. Et ça, c'est très important.
Voilà un peu le net, on a tendance. Okay, c'est les insuffisances glandes des mouvements qatariens. Seulement les acquis, juste pour une dynamique, seulement les acquis sont pratiquement similaires, hein, le Maroc et le Zaire. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas quelque chose de ils n'ont pas obtenu quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce qu'on a obtenu. Des acquis à Mal, Zaire, le Maroc, c'est des acquis minimes. Justement, pour rebondir là-dessus, parce que j'ai oublié un point, c'est que nous aussi, on est resté dans la revendication pure. On est resté dans la revendication, dans l'incantation. Nous sommes des Mazirens, nous pas lavé le comme à l'ardif que la Mazir, alors que Malévré me tchèque. Il n'a pas de nevenu. Avec la production. Avec, non seulement la production culturelle, effectivement, encourager la production culturelle, etc. Mais aussi, y compris sur le plan politique, on peut se construire, à se structurer, hein, se structurer, trouver une forme d'organisation très souple qui permette à aux tendances d'exister, de s'exprimer d'une manière démocratique. Ça, on ne l'a jamais fait. Ça, on l'a jamais fait. Et ça nous a énormément manqué. Ça nous a énormément manqué. Mais Achoura, là, c'est quand même l'un des intellectuels. Ce qu'on propose, la réflexion, quand même, il y a de la loi de Nel. Mais Achoura, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Achoura, il n'y a pas ce le venir qui s'il cesse. Et d'une Achoura, qu'il y a, c'est mon point de vue, il y a des atavismes qui nous viennent. Un atavisme qui nous vient de la tradition du mouvement national, enfin pas du mouvement national, mais plutôt du FNL à partir de 1954. Hein. Il y a un atavisme qui nous vient de la société elle-même, le Sfouf, les guerres Héroux, c'est-à-dire le Sfouf, le tribalisme. D'ailleurs, à Tmoukrod, souvent, même les regroupements se font sur la base tribale, sur la base régionaliste, etc. Ouagui aussi, ça déteint sur tous les mouvements politiques en Algérie. Est-ce que ça vient justement de Ghina, Nardedevo de l'époque, qui a infiltré le mouvement, Anides et Farkif, on a aussi des limites culturelles. C'est des limites. Uh-huh. On a des limites culturelles qui sont traduites comme ça par des réflexes tribaux, des réflexes régionalistes dans tous les mouvements politiques en Algérie, hein, par des réflexes sectaires. Ça, et malheureusement, nous, quand on était collectivement à Mekikdener rassemblés autour d'une réflexion commune, on aurait pu dépasser ces insuffisances-là, ces handicaps. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, Kourioune Krim, dans son sectarisme, dans sa bulle, en considérant que l'adversaire est un ennemi. On est arrivé jusque-là. En vérité, même les forces politiques qui existaient au Rna, elles avaient énormément de limites. Parce qu'il n'y a pas qu'à Ftmaziat qu'il y a eu des erreurs. C'est sur toute la problématique algérienne qu'il y a des erreurs. Ça se traduit à Founet, ça se traduit à Ftmaziat. À mon sens, moi, la conviction à laquelle je suis arrivé, c'est que l'histoire arabité, islamité, berbérité, c'est une connerie monumentale. Ça ne veut rien dire. En vérité, ça ne veut absolument rien dire. On s'est battu, je ne sais pas combien de temps, avec Striptique, avec l'identité d'un peuple. Ça serait des légos qu'on mettrait ensemble. Parce qu'on était complètement à côté avec Kenmel. C'est vrai que sur le plan symbolique, le mouvement culturel, c'était un bastion de résistance. C'était un moment d'affirmation d'une volonté face à un pouvoir qui était un pouvoir despotique, autoritaire, etc. Et que ça a un rayonnement extraordinaire. Entre le Maroc, la Libye, ça a eu un retentissement et un rayonnement extraordinaire. Mais ça, c'est sur le plan symbolique. Mais Mad Doural, tu vas l'évaluer réellement sur le plan politique, et ta faute, c'était vraiment, il était bancal. C'était une approche totalement bancale. Heureusement que ces dernières années, il y a des avancées. Je pense, j'en suis convaincu, il y a des avancées. Le fait de réfléchir sur la question de la régionalisation, le fait de poser le problème de l'État, finalement, parce que toutes ces questions-là, la question identitaire, la question linguistique, elles se rattachent à notre conception de l'État. Une fois, nous faisons un certain État démocratique, un État qui s'inscrit dans la trajectoire historique du territoire sur lequel il est, parce que ce territoire, il est à Mazir. Quels que soient les apports qu'il y a eu en Bad,
moi pour moi, Saroumi c'est une langue algérienne, Saharaf c'est une langue algérienne, Tamazight c'est une langue algérienne. Mais dire que Tamazight n'a pas de place, c'est une ineptie, c'est un crime historique, c'est un non-sens total. Pourquoi? Parce que cette région, elle a une histoire, elle a une histoire millénaire. Et il ne peut pas y avoir un État qui va aller à l'encontre. Or, le nœud, c'est l'État. Une fois de fait, M. Teguin Doula, M. Nidan Sahlit. Quand tu prends le triptyque, Tamazight, Taarab, Tinslim, le plus grand danger de ce triptyque, c'est la hiérarchisation. Quand il y a un haroraf Tamazight, qui est Tamazight, Haddit. Donc Tamazight, il y a un haroraf Tinslim. Quand il y a un haroraf Tinslim, qui est Tinslim, il Donc, il y a un haroraf qui est Tinslim, qui est كل يوم الجزائري واحد تيوا اور اين اذا الى قال سي كان السوده اللي دي الجزائريين ميم اللي كيدي قال بلي ثاروميث توثليثيو ذا جزائريين قرات بوركوا اش واحد قال بلي ثاروميث توثليث تجزائري باسكو القرن عدا القرن النفس قال سي القرون تورا تسكي دكم زروينا تسكي ذيك راه بوين يقدروا ذي تمور توثليث يسين زمان غير ام زروينا pour l'indépendance et pour le mouvement national. Donc, à toi, le thème, c'est le thème de tous les liens. Mais là, tu as une république digne de ce nom et un État républicain digne de ce nom, c'est une question qui se résout directement. Par rapport à cette thèse. Hein? Sur le plan théorique, c'est... Par rapport à cette thèse-là, Egdiner, il y a des aspects qui ne sont pas soulevés dans... c'est que nous avons un problème identitaire. Nous avons un problème identitaire et nous avons un problème de langue. D'accord. Or, la plupart des gens mettent en avant le problème de la langue en oubliant qu'il y a derrière un problème identitaire. Qu'est-ce que tu appelles un problème identitaire ? Qu'est-ce que ça veut dire un problème identitaire ? Si tu as un État qui se définit, un pays qui se définit en tant que berbère, la langue, elle découle d'elle-même. La langue officielle, nationale, elle découle d'elle-même. C'est le berbère. Par contre, si on te dit, si tu dis que voilà, on focalise sur la langue, à ce moment-là, on peut te permettre d'étudier ta langue et définir l'Algérie comme étant arabo-musulmane. À ce moment-là, ta langue ne peut avoir qu'un espace restreint. Elle ne peut pas dépasser un espace limité. Qu'est-ce que ça veut dire un État berbère? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un État berbère? Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un État algérien? Tu m'excuses. Hein? Moi, mais on est en train de débattre. Je te dis tout de suite ce que c'est qu'un État algérien. Non, non, j'aimerais bien avoir la définition justement de ce qu'est un État algérien. Oui. Vas-y. L'État algérien, il est né dans le processus de libération par rapport à la France. L'Algérie, l'Algérie n'a pas existé avant la colonisation totale. Le territoire algérien, c'est la France qui l'a créé. Il n'existait pas avant. Donc, quand l'Algérie elle existait, on n'aurait pas eu des révoltes tribales. La révolte de l'émir, la révolte de l'Mkhrani, la révolte des Achas, la révolte de je ne sais pas quoi, etc. Donc, le territoire, l'Algérie en tant qu'entité, elle n'existait pas. C'est la France qui l'a créé. C'est quoi aujourd'hui l'algérianité? C'est le fait qu'on a libéré ce territoire, qu'on avait un projet socio-historique, qui se définissait dans une république, qui voulait établir une justice sociale parce qu'on était dans un code d'indigénat, dans une discrimination totale, et on s'est battu pour le territoire qui était défini par la France. C'est ça l'Algérie. Dans ce territoire-là, tu as des éléments linguistiques, culturels, etc., qui existent, et qu'on doit prendre en charge. Et s'il faut dépasser le cadre d'Algérie, moi je suis pour qu'on le dépasse. Ça ne me pose aucun problème. Mais quand tu me dis un État berbère, ça veut dire qu'il y a une ethnie. Qu'il y a un État ethnique. Non. Si. L'identité culturelle. Un État méditerranéen. Alors, c'est une identité culturelle. Ce n'est pas un projet, pas parler d'ethnie. Non, c'est une identité culturelle. Maintenant, la définition que tu viens de me donner de l'Algérie, malheureusement, tu dois le reconnaître, que cette Algérie-là n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Elle n'existe pas. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une tentative, peut-être, et encore, même ça c'est discutable, avec le Congrès de la Soumane de créer une Algérie,
Mais tout ce, qui a, tout ce processus-là qui était jusqu'en 62 a été cassé. A été cassé, remplacé par un État, hein, par une idéologie qui est en porte-à-faux, totalement porte-à-faux avec cette Algérie que tu es en train de décrire. Cette Algérie que tu es en train de décrire n'existe que dans ton esprit. Non. L'esprit non. Est certain. Mais non. يشعل دسواطا سما المقرن قدان ديال ليبي ما المقر ديال المغرب تكشم ديال لا كونستيتيسيون خاصو لا ما تكشم ديال لا كونستيتيسيون مازال يتساوي يتسازل هو الفلاس لا مانيير لي جو دو مو دو بوينت دو في جوريديك خاطر لا لونغ عرب دومور لا لونغ ناسيونال اوفيسيال اون بعدين ترمو نظن Cependant, il y a la langue aussi. Donc, les juristes, mais elle n'empêche que de la Constitution. La télévision, ça a des radios, ça a des médias, ça a des médias, ça a des nationales, ça a des nationales, la Tunisie, tu as vu que les outils de Sénil, et que tu as vu sur le plan culturel, sur le plan politique, mais on a vu que tu as 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 vu لسنا ثو ثلاث تبغى تصرصين غتسعوا امكانيس ديال ثمرات نتمزغه كتشوف مساد طاس سي تان بروجي لا نتك لا نويد ميم كتامن بالليك ادي سوا سنيدا فمزغه تكفد تصرح انت كل فرونتير كتشوف مساد في لا كرياسيون دي ديتا ميم لي فرونتير اللي ندير خلق ندير دونك ما تغادروا بزوي على حسابي كتشي دي اسبوسا ذمك اري رسم ومنو Mais la question de l'identité, la question de la langue, ça a un avancé quand même. Et tu vois, le Gouaner, ou le Gouaner, et sur le plan constitutionnel des institutions, l'un des Thmouran de Tharassa, l'un des Thmouran Mazel. Tu vois, c'est un peu de la constitution, langue officielle, le Koulihal, il a un peu de temps. ولكن يجب ان يكون هناك finalité de notre combat. Ce n'est pas de. Le combat il est beaucoup plus large que ça. Nous avons une langue officielle, qui est le Maroc. ولكن c'est l'Assemblée nationale qui est en train de mettre des freins justement à l'application. De cette clause constitutionnelle. Mais c'est le paradoxe. C'est que le Maroc, la constitution, c'est la langue officielle, mais il y a un deux carrés du sein du ministère du Maroc, des associations berbères du Maroc, des Français, l'interdiction d'enseigner le Maroc, il faut que le budget juste pour l'enseignement du Maroc, plutôt Taraf. Le c'est le contraire, c'est que la constitution n'est pas officielle. Mais pourquoi il y a un budget pour l'enseignement de Mazir. C'est pourquoi Tu reviens à la notion ethnique. C'est pas arrête, je ne parle jamais d'ethnique. Je parle de. Non, c'est une dimension culturelle. انا ريان مش بس دراسنا ترك نو 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 نتجا سمحي كان سور ذا جي اون بو سالوي او موا انا دي فابري لي جاد انا كي لو جيست دو ار سي دي دو مات كي كي اون مانيفيستي مان دون لا مان ا تيزي وزو جيسبر كلي كان ديبي سور لي ديفيرجونس كي في تهضر داك ما ديال المغرب كما اما غورنا جو بونس كيل سون ديباسابل اون بي لي ديباسي اون بي لي ترانسوندي parce qu'ils sont fondés sur des réflexes archaïques. Ils ne sont pas idéologiquement et politiquement, ils ne sont pas fondés pour moi. À la fois, je peux soutenir le MAC, je peux soutenir l'URCD, je peux soutenir le parti FFS. Il y a des militants du FFS, la majorité des militants du FFS, j'en connais pas mal. Je sais qu'ils ont le même rêve. Le même objectif
etc. Je soutiens aussi Tamazra qui parle de la berbérité des îles Canaries jusqu'à Siwa. Tout cela, il est possible d'en faire un seul mouvement avec NAC, même s'il y a des différences, ce sont des différences qui, pour moi, sont secondaires. Ce sont des contradictions secondaires. La contradiction principale qui existe, c'est celle qui met d'un côté le mouvement amazigh et d'un autre côté les États dits arabo-musulmans. Voilà, c'est tout. Il faut que il existe, il a qu'elle véhicule un savoir rationnel. C'est ça le fondamental. On ne doit pas se limiter à des revendications politiques. Non, c'est ça, c'est-à-dire une langue qui n'existe pas, dans des bibliothèques, qui n'existe pas dans des moyens d'information, où il y a une halle des journaux, où il y a des centaines de chaînes de radio, de télévision, ce n'est pas une langue. Donc à partir de là, il faut l'imposer, parce qu'une langue, il faut qu'elle s'impose, à part d'elle-même. Alors, je te ferai un exemple, la chanson kabyle. La chanson kabyle, elle existe parce que ce n'est pas parce que le hukm al-Dzaïr est hamlan, donc c'est pour se faire de la kagir. Parce que c'est la chanson kabyle, parce que c'est imposé. L'anim zanen, ça a une culture orale, l'anim zanen, ils ont composé à partir de là, la chanson kabyle, ça a un canis d'il-Dzaïr. Tu ne peux pas nier, par exemple, Aitman Gillas, l'ancien Azum, c'est des gens qui se sont imposés, ce n'est pas par le pouvoir, parce que khadmen. Donc c'est comme ça une culture. Une culture, il faut qu'il véhicule un savoir. Si ne vécu pas un savoir, s'il reste une culture orale, c'est vrai. Nous connaissons une carrière. Mais là, c'est un masjir, je ne sais pas, que ça a oui, ou c'est un masjir, même quand ça se garde, c'est ça le grand problème. Il faut qu'il y ait intérêt. C'est un intérêt. ذو غارباز أضغار أنتو ثلاثة تمازيغت أوبليغاتوار خاطر كتشيني تلمذ الثارف لو كنتو غارضة مشطوح باتشي سلفغيك باسكو سي أوبليغاسيون اسمع لخمن الأوبليغاسيون دونسينيمون تمازيغت ديال لا غارباز أذكر أنت السوثيوين دي جينيراسيون هذه السين أنت ثو ثلاث وثو ثلاث ماذا قلت السن أنت أتوغال أتخدم نيس ذينهم بعد سجيها النظام مادام ثقار إلا قوى كذيارو خاطر يتسارو وكذا قد يخدم السينما وكذا خمام زكون سي كومبليمونتير سادير ياليون ديك حريشينس خاطر ما يوث جهه كان اتسير لا برودكسيون مي با اون ريكونيسونس بوليتيك جوريديك فوك لي اون ريكونيسونس بوليتيك جوريديك من بلك ثم ثلاثة استفرض يا قد تستفرض لا شاف غرض ديك سي سا لو فون دي بروبليم يا قد ترادوير ثموسنيا دي لغه النظام دي لونغ النظام باسكو ماد مقي باغ اكزومبل تقبايلي تو برو باغ اكزومبل تقبايلي سي با اون لونغ افيك لاكيل تو بو فاق لا نهضر داك ماز تقبايلي جو بونس يون دي نوز ما غادي يهضر داك كاين تقبايلي 100% بيان ما يوتيليزي دي تيرم ستروميت دي تيرم لغه النظام باسكو يا دي تيرم سيونتيفيك كو تو بو با اكسبريمي سا دو ماز مسلا تقبايلي ماشي لازم نو 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 parce qu'ils ne sont pas utilisés. Ça veut dire qu'ils n'existent pas sur le net. Il n'y a pas La création, par exemple, de la télévision, c'est quelque chose de très, très c'est formidable. Celui qui a pensé à créer sa télévision, c'est une idée formidable. Donc, elle véhicule un certain savoir, c'est mazir. Créer autre chose derrière, parce qu'une langue qui existe, il faut qu'elle s'impose d'elle-même. Ça veut dire, il faut traduire les musulmans, les langues musulmanes, travailler le lexique de mazir pour l'approfondir, pour l'diversifier. Mouled Mamri a fait un grand travail.
Mohamed Chafiq au Maroc, il a fait un grand travail, mais malheureusement, il n'y a que Sénégal. Il n'y a pas, des personnes qui ont suivi. Mohamed Mamri, on n'a pas un deuxième Mohamed Mamri. C'est ça le grand problème, le drame. Parce qu'il ne faut pas que Dénéka la faute Gouyer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais Vernon, ça a notre responsabilité. C'est parce que c'est ça. C'est-à-dire, Femazir, il faut. Moudoulara, ce n'est pas les Baptistes qui disent ça. Ce n'est pas le régime algérien, c'est une alliance entre le baptisme et l'arabo-islamisme. Donc, oui, automatiquement, c'est le parti des moyens. Karzani, il y a un posé d'Araf, c'est tout à fait normal. Mais d'ailleurs, comment reposter, c'est ça. Reposter, c'est pas tout le savoir. Justement, comme l'a dit Gouloros, elle savait que la production, c'est une nécessité. Il y a la revendication, elle s'est la production. Mais c'est tout à fait normal parce que il a cassé les haja. Dans le Maroc, par exemple, tu prends l'exemple, pourquoi c'est la constitution, langue officielle. Mais tu as un article à côté qui te dit qu'il faut une loi qui va définir les modalités de l'application. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, il n'y a pas une langue. Ils ont, dans le Maroc, ils ont créé une langue qu'ils appellent une langue standard. Enfin, moi. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait tamazir. C'est une langue standard que beaucoup de Marocains pourraient comprendre. C'est ça qu'on enseigne actuellement dans les écoles marocaines. On enseigne quoi ? On enseigne le tamazir. Mais l'élève qui sort de l'école, tu penses qu'il va parler ce qu'il a étudié à l'école ? C'est une autre langue qu'il retrouve chez lui de Goukham où sa famille, c'est des Kabyles. Il n'y a pas de cohérence, tu vois. Il parle français, tu comprends. Soit tu parles arabe, tu parles kabyle, tu parles tchaouit. Donc, il faut qu'il y ait déjà cette langue, qu'il y ait une langue unifiée. Même Ali Chess, c'est une langue standard qui va unifier tous les amazirs. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à produire cela langue agi, à écrire cela langue agi, à cela langue agi. Et c'est comme ça qu'on va avoir Tamazir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'on est dans l'abstrait. On veut étudier, imposer une langue qui réellement, dans la réalité, n'existe pas. C'est ça toute la difficulté. Est-ce qu'il y a une langue, le français, l'anhadda, c'est le français que tous les Français parlent. On est d'accord. Mais la langue amazirandat, qui c'est qui la parle réellement? Non, mais maintenant, si c'est le Kabyle qu'on veut imposer, oui, je suis d'accord. Mais Ishaouin, ils ne vont pas être d'accord. Touareg, ils ne vont pas être d'accord. La langue enseignée de l'école, c'est quelle langue? Est-ce que c'est le Kabyle ou l'amazir? Que du Kabyle. Le français de Touareg, mais kif. Le français des Français, qui sont au Canada, ce n'est pas le français qui est à Touareg. Ça, c'est l'histoire. Mais la chose, c'est le plus important. Mais la chose, il y a un garbage, il y a un peu de calvinus, et c'est le même, 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 et c'est le même. Mais c'est le même, et c'est le même, et c'est le même. السنه بكي قد ستارود زمره دغار داريس لاني مدانو السنه مسلين ثارومي ميزمات دي غار داريس فرونت باسكو غار ثارومي سمحي لا ستاندارديزاسيون دو دو لونغ حسب يربي كاين يكون باغ اكزومبل انه غاي باغ اكزومبل ديال الكونتاكت غير شويه انا افيك لي موين دو كومونيكاسيون الى تورا انه غاي اني سين تشاويت اني سين سالفوسيت تو سا باسكو يا با دو كونتاكت غير لي زونتيتي امازيغ قال لنا ما ديال المغرب ما ديال الجزائر اما ذا ديال ليبي دونك اكذا ساون اكذا ساون سي دي اون سو مومون سا نيكزيست با باغ اكزومبل ان الجيريان يسن ان الجيريان باغ اكزومبل يسن سا ما صريت نايس ان هضرت تعرفت العراق بوركو باسكو لا تيليفزيون
Kini par exemple, dans le Kenya, un film sur ma soeur, tu arrives à comprendre. Mm. Parce que tu regardes des chaînes de télévision, des fois, donc tu arrives à sens, je suis un petit peu le dialecte égyptien. Mais quand je suis à la télévision, un égyptien qui est là, s'il n'y avait pas ce contact. Donc à partir du moment que tu as avec le développement de la technologie, avec les révoltés, il y a des minorités surtout en Libye, donc il peut y avoir du contact. Il peut y avoir par exemple, tu peux une chaîne de télévision, sur internet, soit par exemple des trucs qui ont été faits d'une fosse par exemple dans le Maroc, non, à force d'écouter, de winner, ça part, ça. Oui, mais le problème fait partie justement des difficultés actuelles. Actuellement, alors, oui, mais à court terme, à long terme, à court terme, il peut y avoir une certaine. Mais Ismaël, derrière l'année, Dieu, tu m'aurais dit que Ismaël, derrière le cours de Ismaël, c'est une série de 30. C'est Ismaël, il faut le couvrir, 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 il faut le يزمر تصوض اني ذا ثلاثه تسدا كل اكن يزمر حال هذه قضي على وكن ديرو سدا كل ذي بردان مخالف لي فودغي لو ديفينير باسكو لو فيتا بروبليم باسكو لو فيتا بروبليم ماشي تمازيغ ماشي تمازيغ الى غفل سي ليتا الى غفل سي ليتا الى غفل اي سي بور سا كو لا بروبوزيسيون دو ار سي دي بور اون ريجوناليزاسيون سو كي لا ابلي بور ان ايتا يونيتي ريجوناليزي اي تون بروبوزيسيون تري سونسي اي بيرتينون دو مون بوين دو فيو Achouar. Parce qu'il faut reconnaître ces espaces-là, parce que c'est des espaces historiques, socio-historiques qui sont réels, qui sont notre héritage. Et il faut permettre à tous ces espaces-là de s'affirmer. Voilà. Donc, je ne cherche pas, est-ce que Temazir va se standardiser? Non, il ne va pas se standardiser. Je ne vais pas passer mon temps à savoir, mais est-ce que tu vas se finir, c'est ce qu'il t'a c'est ce qu'il ne traite pas. Je ne vais pas passer mon temps à ça. Mais c'est une difficulté. Donc, le problème est d'aller chauffer, Némara. Un mec qui a un séwad, il a réglé le problème. Et ça revient à l'État. L'État insère, mais tire l'État, il a dit, donc, l'État est guillé, il a dit, il d'où là qu'il est organisé, il a qu'à te vider. Et c'est ça le fond de la question. Et il faut connaître le courage. Il faut connaître le courage sur les problèmes, de les voir tels qu'ils se posent. Le problème Tergui, par exemple, on ne peut pas rester avec le problème Tergui tel qu'il est aujourd'hui. Avec un espace. Parce que la différence, ils sont à l'intérieur d'une même frontière. Le territoire Tergui, il transcende les frontières qui existent actuellement. Il y a deux possibilités d'évolution. Les États actuels, ils vont ignorer le problème. Et bien, les gens qui ont intérêt à mettre de l'huile sur le feu, ils mettront de l'huile sur le feu et ce sera une poudrière qui va perdurer. Non, il a ouvert le Néran. Il peut y avoir des statuts particuliers. Il peut y avoir un statut de transfrontalité. Ça veut dire que ces gens-là, on reconnaît leurs habitudes, on reconnaît leur mode de vie, on reconnaît leur sentiment d'être de la même communauté. Et pourquoi on va leur imposer ces frontières-là? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi les frontières héritées du colonialisme vont rester comme si c'était un bienfait? Ce n'est pas un bienfait. On ne peut pas les démonter de n'importe quelle manière. Il faut les démonter de sorte à construire quelque chose de meilleur. Mais c'est un héritage empoisonné. Donc finalement, la question de Temazir, elle pose la question des États, tels qu'ils existent, et elle pose la question de l'intégration régionale. Parce que finalement, c'est le même terreau. Et ce terreau-là, il peut nous permettre de créer une entité, qui soit Temazir, mais qui va être une entité qui nous permette réellement de vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que c'est un monde où il faut être fort pour exister. Non, mais on voit par exemple la langue française, comment elle a été s'est développée. Zik, il y avait des patois en France. Et c'est des patois qui n'avaient pas le niveau de Temazigh de Ntoura. Vraiment très, très, très archaïque sur le plan grammatical, sur le plan de la syntaxe, etc.
Mais néanmoins, Asmir, ils ont décidé, François Ier, il a décidé de créer le collège de France. Le collège de France contre, il ne faut pas oublier, contre l'Église, qui, elle, voulait imposer le latin et le grec. Mmh. Et qui voulait toujours imposer le latin et le grec avec la Sorbonne. Mmh. Donc, il y avait d'un côté la Sorbonne, il y avait d'un côté le Collège de France. Le Collège de France, c'est la Syrie, fera aussi la Pléiade. Hein, les Ronsard, Marot, etc., des poètes hein, qui ont créé... Standardisé le français. Voilà. Standardisé le français. Hein, qui ont créé cette école-là de la Pléiade. Et c'est eux qui ont fait un travail. Mais qu'est-ce que c'est un François Ier. C'est-à-dire, tant que l'État ne te donne pas les moyens, ou Zimerdar, en plus, le connaît dernier mot, en plus, il ne faut pas oublier aujourd'hui que tout notre combat, on ne sait pas ce qu'il y a maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a les droits de l'homme, ni la communauté internationale, toutes ces institutions internationales, cette communauté internationale, actuellement, elle est prise en otage par le pétrole et l'argent. Et qui est entre les mains des pays du Golfe. Et les pays du Golfe, n'oublions pas, ils ont un regard sur le Maghreb, enfin sur le Maghreb, sur l'Afrique du Nord. Ils ont un regard, ils nous suivent régulièrement, et ils feront tout pour s'opposer à l'émergence de l'identité et de la langue berbère. L'épisode de Windows. لما لكن يبغى الحال لقرنوا ذا لقرنوا ذا خطر بعد تذويت سعد تذويت أزيري تذ فريد جالكسي نزم لها ثانية خور 15 دقيقة فريد معلش أنا نوعنا خور 15 دقيقة نوع ثانية ميت خور جخوذ بياض هذا قصير فين كان يمدو كان لنا ولا ألو أنا كم الأول يرزق على حسابك ثورة كتشيني إسك تمسات إكشودن غير ثمن داو ثلا كونستيتيسيون نقسم دتيك شودن غير لا ريفورم دو ليتا كل شيء La constitution moutlera dans un état de droit, ça arrive maintenant. Même avec, par exemple, la constitution, la langue, c'est ma zère officielle, mais c'est clair les moyens sur le terrain, donc c'est la même chose. Donc la constitution, à mon avis, ça arrive maintenant uniquement dans un état de droit. Hors de l'état de droit, des canons, c'est-à-dire du noir sur blanc, qui n'a pas de sens. Qu'à mon avis, il y a quelques droits, il y a une chose, il y a un phénomène nouveau et différent. Les dernières années à Guinée, avec la révolution, c'est-à-dire les nouvelles technologies, la révolution des peuples guinéens de l'Afrique du Nord. Et c'est révolté. Et à Guinée, ce qu'on appelle tout là, je ne sais pas, je vois à gauche droite, il y a une certaine conscience. Amazigh qui dépasse la Kabylie, qui dépasse le Maroc, qui dépasse. Il y a une entité Amazigh globale. Et moi, Kenny, je suis tout à fait à temps en temps ce qui se passe, ce qui se dit à gauche, à droite. Donc, tout là, du Rainer, par exemple, il y a le Wahadson, Amazigh, il y a des Marocains, le Wahadson. Par exemple, le 20 avril, la Guinée, il y a eu des marches, l'index Nikvayel, l'index Amazigh, le Maroc, il y a un petit peu de tout. Donc, il y a un verbe à la Guinée. ذينار ديوين أهاتشون دون نوفيل إكزمارنا تي تعاون انفلونس بوزيتيف سور ليمرجونس دو فينومين غيدين دو غونات دو لا مازيغيتي دو غونات او ماغريب دونك إل بو أوبليجي سا فيدير سيل يا اون كونسيونس كوليكتيف دو فينومين امازيغ كي بارتاجي بار لي تروواز إيتا Donc c'est ce qui poussera, par exemple, Aïna est entourée de la Libye, tu as été par tous les moyens, ou quand tu as été en Mazir, tu as été en Mendaus, ou Madagla Gwindizer, c'est un peu comme la Libye, tu as été en Mazir, ça va influencer automatiquement, Aïna est entourée de l'Izayer, Aïna est entourée de le Maroc, parce que tu auras les moyens d'information l'un partout, donc on peut savoir tout ce qui se passe d'un jour à l'endemain, ça va être partout. Donc à partir de là, il y a l'information qui circule, donc c'est ce qui va passer, c'est-à-dire c'est ce qui va et des balak à l'émergence non à marché de l'émergence mais c'est-à-dire la langue amazigh ama del Maroc ama del Zaïre ama de la Libye balak hatta tafham kanis wati une force تخدم une force pour que les pouvoirs publics balak zmerna dalqan chouya dafkan les moyens pour que cette langue et cette culture Donc, c'est une. Dans les années 90,
وزرا ربلك لاني مازيان ديال المغرب غلاني مازيان ديال لي بين غنكون كان ديال القبائل وحدنا تغني انت كتفت مازيان بوين في نافا ماشي داك مي سادير يا اون يونيتي غولا مي لا ماجوريتي وزرا تورا سي با لو كا تورا سي اوتر شوز دونك يا دي دونك يا غينيا جو بونس لي اون فافور دو لا ريفونديكاسيون ا مازيان alors moi من موقع السنجاق درابو مازيان سي كو ثوري اللحو ميم ديال لا سيري اللي مازيغن لا سيري وذيك درنا كل مال عبد القادر يتفر ذيك مازيغن السيوا ذا انا فيك ديال ليجيبت ثورا فغند تمسليان سنضاح نخدم من درابون تمازيغ وميم تو تعرض خدم من السينما يا ديال دي فيلم دوكيمونتير كتسوى قمال يا ميم اون دام كاين دكتور ديتا جوستومون صغار ديال لونيفرسيتي ديال ليجيبت تكتب ديال ليفر في مازيغن السيوا ام كي خدم دكتور انا ما كان القمة كان ذوال نقال زي كنت صغير كان ذي ثمانات النار مثلي بعدك ومشوار إذا نيلهن سأفضل كإن إن إنه الغشية توسك أي تي كونسنتي كم سكريفيس إلا با أي تي بوريا سفرك ستان كومبا ستان كومبا كيا بوكو أفانسي لما نو غوزانتاس غوزانتاس أرزداد مي هساكين إلا قبل بنادم ما يخمم إلا قال ولاك ولاك يقزم لنا نخمن نخمن وكان دفكن يسوري فني الى قال نرنو ان نرنو على الزداد باسكو يبض الوقت عندها الى قال السرس تيجي الى قال تيلي رزنن ثورا سوك زي كني اي سوفيزي كان دير نض بلي ثلاث مزيغ ثلاث ريفونديكاسيون ا مزيغ اكسيتيرا سي تي اون ايتاب جو بونس كو سي اون ايتاب كي فيني سي دي شوز تري سيريوز كي فيان فين فين ولا سي دي شوز تري تري سيريوز كي فيان تمازيغ تلفا ايتر او سونتر دي كومبا Parce que le projet de Khalifa qui est sur la table, c'est un projet de négation de cette identité. Si on ne peut pas y résister, ben c'est une, ça va être... Il y a une prise de conscience. Non, il y a une prise de conscience, tout là, c'est-à-dire, c'est pas comme avant. Il y a une prise de conscience. En même temps, il y a eu... pas que la en même temps, il y a une prise de conscience. En même temps, il y a de nouveaux challenges, il y a de nouveaux dangers. Si on n'intègre pas les nouveaux dangers, eh ben, on risque d'avoir des surprises. Et c'est ce qui est les combats nationaux, les combats nationaux, ils prennent une dimension vitale à Chouar parce qu'il y a un projet de dissolution des entités nationales. Il est en train d'apparaître de plus en plus nettement. Donc, la question, ce n'est pas de défendre les entités nationales telles qu'elles sont aujourd'hui, avec les contenus négatifs, parce que c'est ça qui fait du califat. L'arabo-islamisme est fait le lit du califat. Il faudrait que notre combat intègre cette dimension pour asseoir de véritables entités nationales qui sont capables de s'intégrer. Nous, qu'elles d'ailleurs, un État qui nous représente, qui reflète l'Algérie, on sera capable de créer une intégration régionale, qu'elle soit nord-africaine, donc un mazir, qu'elle soit méditerranéenne, parce qu'on a aussi une dimension... méditerranéenne, qu'elle soit africaine avec une plus grande profondeur qui dépasse le Sahel, c'est des enjeux de l'heure, c'est des enjeux boissagir. Mais où qu'on a un chadam de gouvrir, c'est là qu'à Doula, il y a un chadam de gouvrir d'un zéro nord, tu vois. Donc ça, c'est un enjeu. Mais ça représente des dangers. Parce que nous, quand le Zahir, c'est une wilaya du 6e khalifa, c'est un émirat du 6e khalifa, ne me parle plus ni de Tembazat, ni du tout, ils vont tout gommer. Non, mais je ne sais pas comme quoi c'est. Non, c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme ça les choses que ça. C'est vrai, le Raïs, c'est la juste. Rachid Raïs, non, mais le Raïs, il faut lire Rachid Reda. Il y a des intellectuels qui parlent de la question. زي كني سبقون كان داش كنت ظن لقيت الدولة أدخل من الدولة الإسلامية للجزائر الدولة الإسلامية للعراق الدولة الإسلامية ورزاليدا من بعد سيناء الفنون الساقين طفل الحكومة دون ماج حاش الجزائري ما زالت تغلي حاش الجزائري ما زالت تغلي دونك الخليفة اللي لا باسكو ديت لا دوزيام ايتاب سي الخليفة أما كني نكوني ليتاب يدي في الدول إلا قن رصي الدولة إلا قن يقزم لنا ترفض توثليت دو مزروينا دوين مالك لحن يدسن نو سمحي شو با توتا فيت داكور نو سمحي نو يا ساكي سي العقل العقلين نو
à l'intérieur des sociétés. La différence est qu'il n'y a pas de printemps arabe. Il y a une régression arabe. Il y a une régression. On a vu tout ce qui s'est passé dans le printemps arabe, c'est de consolider les régimes réactionnaires, consolider la Jordanie, consolider le Maroc, consolider l'Arabie Saoudite et faire tomber ce qui était soi-disant des républiques, les Djoumloukiyettes, faire tomber les Djoumloukiyettes. Ça, c'est la réalité concrète du printemps arabe. Chili, tu considères qu'il y a un printemps arabe. Il n'y a aucun printemps arabe. Attends. Il y a un printemps arabe, effectivement, mais où est-ce qu'il y a une règle d'un jour à lendemain, c'est-à-dire les canaux, on a ce... ما غير هذا اللي كان وناس مبارك زين العابدين صاي سي الديمقراطيه اتو اتو نو استخما جوست ان بيت ان انا في غروس ديغراسيون بارونتيز لي شوز نو لي سوسيتي ماشي داك الحونت يا دي دي ديناميك انتر اكطوالمون نيمبورت كي وين يسنن لي سوسيتي ايجيبسيان لا سوسيتي تونيزيان ميم لا سوسيتي الجزائريه S'il y aura 50 ans de dictature après, c'est tout à fait normal, c'est les extrémistes qui vont les gagner, c'est les islamistes. Nous connaissons 92, c'est les islamistes qui ont gagné le pouvoir avec les élections libres et honnêtes. C'est ça le dommage, c'est ça le malheur. Mais c'est une période, actuellement en Tunisie, actuellement, normalement, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Alors, c'est bien, la question qui se pose, dans quel état est la Qassith Mazir? Oui. Ah, c'est ça la question. Mon Mahakikar, Femazir Tilakassi est dans un état démocratique, pas dans un état islamique, Nahaja. Est-ce que la question de Temazir, la notion de l'état, l'essentiel c'est la reconnaissance de Temazir, etc. Non, il est choud à la nature de l'état. Non, choud à la nature de l'état. Justement, moi, tu vois, les choses, c'est que Imaziran, il doit maintenant investir dans la quête des pouvoirs. C'est fini le truc revendicatif. Parce que les revendications, tu as des acquis qui sont en fait, c'est de la poudre aux yeux. Et le Maroc, la constitution, ça ne veut rien dire. Le Zaire, langue nationale, ça ne veut rien dire. Femazir de la Koul, ça ne veut absolument rien dire. Des télés berbères, ça veut absolument. Je ne parle pas de Berber TV. Je parle de la chaîne Katnil Zaire, la chaîne Femazir du Maroc. C'est de la poudre aux yeux. C'est des acquis, certes, mais qui ne veulent rien dire. Maintenant, à mon sens, Imaziran, ils doivent aller droit au but. C'est conquérir le pouvoir. C'est uniquement de cette façon qu'ils vont changer la nature du pouvoir et instaurer leur propre État, un État Imaziran. Alors, est-ce que la géostratégie, est-ce que se passe dans le monde, les puissances sont favorables que... justement cette langue là la communauté internationale des états ils sont intéressés par la question de Tmazir. Alors pas du tout, ni ce qui les intéresse, les intérêts immédiats économiques, et malheureusement de ce point de vue, ce sont les Arabes qui ont, les tenants de l'idéologie arabo-musulmane, qui ont entre les mains le pétrole, les pétrodollars, donc les marchés dans les pays égyptiens concernés. Et donc, tout ce qu'ils leur diront, ils vont le faire. D'ailleurs, même pour la question de Libye, pour revenir à la question de la Libye, c'est que la Libye, ils sont armés. Ils sont armés. Ça peut être un couteau à double tranchant. Khatar, ils sont armés, ils sont en train de... Ils sont dans l'euphorie, ils enseignent la langue, etc. Mais Khatar, l'État n'est pas encore stabilisé. D'accord, l'État national. Et tant qu'ils pensent qu'ils doivent s'intégrer dans l'État national libyen, c'est-à-dire qu'ils seront dans l'attente de cet État-là, et entre-temps, cet État-là peut arriver demain, renforcé, et renforcé par l'extérieur, par les pays arabes, les États arabes, et il va les combattre. Et militairement, il va avoir le dessus, parce qu'ils seront plus puissants.
avec toutes les alliances qu'ils auront engrangées à travers les États arabes. Donc, moi, je pose un point d'interrogation sur l'avenir de cette de Libye dans la configuration qu'il présente actuellement. À Khatar, moi, je pense qu'ils sont en danger. Alors, pour ne pas être justement je pense qu'ils doivent penser à la prise du pouvoir, s'ils veulent vraiment sauver leur avenir. S'ils ne prennent pas le pouvoir, ils attendent à ce qu'ils se consolident et se reconstituent. Dès qu'il sera reconstitué, il va les combattre. Et il va les combattre avec des alliances dans toute la région africaine. Mais est-ce qu'il y a le pouvoir d'une manière démocratique? Écoute, moi, je ne vais pas leur donner des recettes. Mais le problème, il faut qu'ils se posent la question du pouvoir. Oui. Il faut qu'ils se posent la question du pouvoir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un homme politique défensif. C'est un homme. Mais un homme, moi, je pense que non. Je ne sais pas sous quelle forme. Mais écoute, moi, je ne vais pas répondre sur la forme. Est-ce que le pouvoir, de manière démocratique, la question du pouvoir, il faut qu'il se pose la question de la prise du pouvoir. Il faut qu'il se la pose cette question. Elle est incontournable. S'ils ne prennent pas le pouvoir, je ne donnerai pas cher de leur avenir d'ici 3-4 ans. Voilà ce que je pense sur la Libye. Mm-hmm. Et ailleurs, moi je pense qu'il faut... Alors, le chef de l'Ecosse nucléaire, il est mort, trop sert de clé. Trop sert la réflexion, trop sert l'esprit de... Trop sert le concret. C'est-à-dire... jusqu'à présent, nous avons dit que on se disqualifie mutuellement. La tendance RCD, FFS, le MAC, le Royaume, mais le vrai, tout le monde doit être animé de cette idée d'union. D'union dans la différence, hein, dans le respect des différences. C'est ça la démocratie aussi. Donc il faut cette union. Il faut aussi qu'on soit concret, qu'on ne reste pas dans l'incantation et la revendication. Un exemple, je déjà une fois, pourquoi, un petit point concret, on peut faire plusieurs points comme ça. Pourquoi, depuis 30 ans, il y a une carte de Mazir, aucun commerçant kabyle, un maire des Français, un maire des Mourts, ou des Marionnes, c'est le Mazir. Les commerces, les cabinets de médecins, etc. Il faut qu'on se rende visible aussi. Il faut qu'on se rende visible. Les Chinois, les Turcs, les Grecs, etc. Et nous, il y a une série. C'est pas normal. Et si tu ne te rends pas visible, SSK, tu peux subir un génocide, on va t'oublier. Rappelons-nous le Rwanda, rappelons-nous des tas de génocides qui ont été perpétrés de... actuellement avec tout ce qui se passe, il y a une prise de conscience, mais il y a obligatoirement si Madagla Tamazir ne véhicule pas un savoir, si Tamusniwin, Tamazir, on développe le cinéma, on développe le théâtre à Mazir, à Tamusniwin, c'est-à-dire dans le sens général, tout le monde à Tamazir, si Tamazir ne véhicule pas un savoir, je ne pense pas qu'il y ait à place parce qu'il y a pour qu'il s'impose. Parce que dans la vie, il faut s'imposer. C'est-à-dire personne ou des secrétaires qui ont imposé la règle manique. Et en cas de s'imposer la langue, soit il est soit il est musulman, et c'est qu'il véhicule, soit il est le haut, il est mal s'imposer la langue. L'anglais est la langue que l'Iran que les gens d'Indonésie parce que les musulmans sont الدنيا شو دغرا سؤالتو ثلاثة جنيه صاروا مديانة الحود عن كيف تمسني شو دغرا ثلاثة جنيه يقتي يقت تمزق يقت شو دغرا غرس دغرا تمسني وكان بوركيل سامبوز تلميذ seulement c'est que l'union aujourd'hui c'est quelque chose de vital. L'union s'impose. Le 20 avril dernier, il a donné quel tafsil tamj touh il a tafsil tenir un toile de tige. Tenez, allez. C'est pratiquement la même chose d'adoucler parce que
Sans l'union, on ne peut rien faire. Oui, au fin, dernièrement, le MAC, le RCD, ils ont marché ensemble. C'est-à-dire, nous avons le FFS. Et le management, nous avons un chouin de Chouin Demzavien. Et voilà, l'union. Chouin Demzavien, nous avons un chouin de Chouin Demzavien. Oui, voilà. Je parle d'union des Berbères. Juste pour dénoncer ça, il y a Ahmed Assi, c'est un intellectuel marocain. Il a été menacé par les salafistes marocains parce qu'il a fait une conférence et il s'est mis à dire qu'il a fait une conférence. Il incite à la violence, ce que je partage. C'est mon point de vue personnel, c'est-à-dire il incite à la violence. Donc on condamne cet acte, comment un intellectuel a été menacé. Donc, Il y a un ancien homme qui a été un ancien homme. نشتاقين غادي نوري قبل العقل ندعي لك كلا ميليتون دو تمازيغ سكنا بوك تنضح انا في تمازيغ اي تمسي داين الهان خاطر دم مسنو حسنا مليح تقدر طاطاس طاطاس اسيد احمد نرد ذاكني اسبوسا نسحاس فطاس لكن ولا نظيم ضبر تمرث المغرب وتدعونا طاطاس لي دي سينس ماشا طاطاس لي زاسوسياسيون ان بومبا اسوسياتيف طاطاس لي ميليتون اكلان ذا فيرينس غافين نشتاقي يمي غذي ونك تحرفين غاف لي ومسلايت لي تكثر ماذا قال مسنو بس وثن جاجة ردي مسلاي ثم وغلين ساكن يقل أقل حال أم كلا تظرون ذو قدود السماثة تنمير في مقران قاسم زغم أثنو دواليك تقالنا وفد النظام نو سيبون وما كشتي دي زوان سيدو كلي تلا أنك دو كتا دو كلي نو لي تدو كلي فكتي مو تدو كلي تدو كلي ساقي تحتم في النقطة دو كلي يقيم ولا قرن تسوت بلكا دون النار نهن نو سلمون دو كلن وتحزيب نارا وتقال نارا لأن هذا نفس قضايا اللي بس كونترنو بغينا خصنا نقرن ثقيلة إلى قد تنفهم يقدر إلى قد دعاية ثقيلة تسوين أما كنت سلم وسنة جدا دعاية بنا فرحة نغف سعيد سادي في جمر الفغي خطر الولاء لأن كرام إزاز الدعاية ثقيلة يفوق أنس ديز من بون فابور توت يسون فات بو نو ديفيزي بو نو ديسكاليفيي بو نو ديسكريديتي يفوق أرتي فوالا دو دوني لوراي أ سو جور دو دوال سوزالي سيما اشتاكين غذين سيس حاسف اطس اما موقف ما خاطر ماشي بوس كان مكزيك يرتيك تمادي فانو نازون غرقز كذلس انا عظم كاث نسمسخ وكي كان ثغث الدولاد ثغث دي شقان وكي ذوكا وكي خدم ذوكي وكي خدم وكي اشتاكي سكرب بوني قدش نغفي ذلس تسوك ذوث اتسو ثلاثة تمازيغ يولا قرار نخشم ذي اللعب بوذيك حملنا تصغرسن وذيك حملنا تسمسخن يرقزن بوذي تنضحن سيدت افنشتا اذا لسنا ثو ثلاثنا اين وكذا غير رجع ثرجع في ذوك اليوم خاص ولا ما غير فردان مخالفني اللي ولد وليد سادي وي ما شان زمانات داك النهار الوسيف نتموسني الوسيف كذلس تو ثلاثي ديال السنه ذونا كان اذا ناكيا تنمر ثلو نميت قيم باذن الله السلام هذاك الناس عاد ندير نهار اخو ذي كرزن اكن فكوال اثن فاكس ذوك اليوم امي مغير ذوك اليوم ورثو في ذا شو كسوان تذوك اللي كان يتسافات سيدي بنت نادي جاكو دينا الخيرات كتنظر